Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zar 33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc en fait, avant le tirage de tarot, je voulais voilà, vous donner, on peut dire, des pensées, en tout cas qui m'ont traversée aujourd'hui. Et donc, en fait, ce qui m'est venu, c'est de voilà, d'avoir la possibilité, on peut dire, de prier ensemble. Voilà, d'avoir une prière collective, hein, voilà, ou de se rapprocher, on peut dire, d'un groupe, hein, de ne pas rester, on peut dire, seul. D'abord parce que se rapprocher d'un groupe, c'est toujours intéressant parce qu'il y a des personnes qui sont différentes, et ça va vous permettre, on peut dire aussi, voilà, d'être obligé de vous adapter à des gens qui ne sont pas comme vous, à des gens qui n'ont pas forcément les mêmes. Voilà, les mêmes façons de prier, les mêmes croyances. Moi, quand j'étais partie en Asie, bah, j'ai prié complètement différemment, on peut dire, le Sutra du Lotus que quand j'étais à New York. Ce ne sont pas les mêmes personnes et ce ne sont pas les mêmes énergies. Et c'est ça justement qui est enrichissant parce qu'on se rend compte qu'à travers, on peut dire, un texte, voilà, un texte sacré, un texte, voilà, religieux, eh bien, on peut dire, on a une appréhension, on peut dire, de la réalité complètement différente parce que nous sommes, on peut dire, dans des prismes sociaux et culturels. Hein, et donc même quand j'étais en Chine et que je priais, on peut dire, le bouddhisme de Nichiren avec, on peut dire, des amis de Shanghai qui étaient chinoises, eh bien, nous n'avions pas en tout cas la même approche, hein, et ça se ressentait aussi même dans la façon d'énoncer, on peut dire, voilà, le sutra. Et donc petit à petit, eh bien, je me suis adaptée et c'est vrai que on déclame, on peut dire, avec force ce sutra, on peut dire en Asie par exemple, alors qu'on peut dire en Europe ou aux États-Unis, bon, on peut dire c'est vraiment très très différent. Les gens susurrent, hein, ou vont très très vite, hein, pour montrer, on peut dire, qu'ils maîtrisent, on peut dire, voilà, le sutra du lotus, les enseignements de Bouddha. Alors que en Chine, on est vraiment dans la force, on peut dire, dans la conviction, dans la façon, on peut dire, de dire le sutra du lotus, mais je veux dire presque en séparant les mots, hein, et de façon assez violente, hein, voilà. En tout cas, c'était ça en Chine. C'était ça aussi, on peut dire, au Laos, hein, voilà, on priait. Il y avait les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Voilà, et donc voilà, c'est pas du tout la même façon, on peut dire, de prier, et c'est pour ça que se rendre dans un groupe, c'est très intéressant parce que bah, c'est là que vous allez mettre en œuvre finalement, voilà, vos valeurs, vos capacités, on peut dire, de compréhension, votre lien, on peut dire, aux autres, hein, voilà, en tout cas, moi je trouve que c'est vraiment très intéressant. Ça change, on peut dire, de la démarche, on peut dire, voilà, très, très, on peut dire, anglo-saxonne ou européenne, de la nana qui va voir son psy et qui a un non-dialogue, on peut dire, avec une personne, on peut dire, sur la non-existence. Voilà, et donc voilà, on est plutôt, on peut dire, dans les projections, hein, et on n'est pas en tout cas dans la vérité. Hein. Puisque on peut dire c'est une relation, on peut dire, basée sur l'argent aussi. Donc voilà, c'est pour ça aussi que, bon, on va dire, au cours de mon parcours, hein, eh bien, j'ai constaté que des gens qui n'allaient pas bien du tout, voilà, quand ces personnes se retrouvaient dans une communauté, hein, alors évidemment, les communautés peuvent être très élargies. Moi, je parle évidemment que de l'aspect, on peut dire, spirituel, hein, bien sûr, mais il peut y avoir des communautés, on peut dire, autour d'artistes, voilà, des gens qui vont jouer au bridge le week-end, enfin, vous voyez, il y a de tout, hein, bien sûr. Mais en ce qui concerne, en tout cas, la spiritualité, les gens, on peut dire, allaient beaucoup mieux. Pourquoi? Eh bien, parce que on peut dire, dans un groupe, voilà, alors cérémonial, c'est des. Moi, j'étais allée voir aussi des gens, on peut dire, qui sont des carmélites aussi. Hein.
Et donc, si vous voulez, de par, on peut dire, cette intrication, on peut dire, voilà, de la perception, on peut dire, de la réalité qui est complètement différente, hein, eh bien, ces personnes, on peut dire, qui ont, on peut dire, des valeurs qui ne sont pas des valeurs matérielles ou matérialistes, vous regardent, on peut dire, comme un être humain. Et c'est pour ça que ça fait du bien, on peut dire, voilà, à des gens. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, par exemple, quand ils arrivaient à Bali, hein, voilà, ils allaient voir, on peut dire, un chaman, et puis bah, ça leur faisait du bien parce que bon, bah, le chaman, lui, il est près de sa terre. Je veux dire, il est très très loin de la City, il est très très loin de New York et de Paris. Hein. Et donc, il voit arriver des gens, je veux dire, qui, voilà, c'est des gens qui ont des gros problèmes psychologiques, voilà, des gens qui font sans arrêt des projections. Et là, comme on peut dire, il n'y a aucune clé qui fonctionne avec des gens, on peut dire, qui sont assez simples et qui ont, on peut dire, une démarche qui est complètement différente. Et ben, on peut dire que tout se casse la figure. Et finalement, je veux dire, quand l'ego se casse la figure, pour ça que dans mes tarots, des fois, j'ai ton argent, ton fric ne te servira à rien. Parce qu'en fait, il faut comprendre que quand, on peut dire, vous êtes dans un groupe de spiritualité ou quand tu vas voir un mec qui est un chaman ou, je veux dire, bon, qui est là pour te faire du bien, qui te donne, voilà, qui te donne du lédiaque ou, je veux dire, ou qui te donne, on peut dire, des... Ouais, qui dit qu'il faut prendre des tisanes pour te purifier et tout ça. Voilà, bon. C'est clair que la façon dont tu as vécu jusqu'à ce moment-là, je veux dire, il n'y a plus rien qui te sert. Hein. Et donc souvent, on peut dire, les gens ont fait des cures, des trucs de désintoxication, enfin, voilà, ils arrivent, on peut dire, au bout du truc, ils vont voir le rave. Parce qu'ils sentent que bon, voilà, ils sont au bout de leur vie, ou je veux dire, ils vont bientôt crever. Hein. Voilà, où tu vas voir le chaman, parce que tu te dis, mais voilà, j'ai chopé une maladie, je sais plus quoi faire, voilà. Et donc, malheureusement, c'est à ce moment-là qu'on se tourne aussi vers la spiritualité, comme je l'ai déjà dit. Hein. Et donc, il y a un effondrement de l'ego, hein, qui se joue à ce moment-là, c'est-à-dire que toutes tes clés ne te servent plus, tout ton fric ne te sert à rien. Et donc, c'est à ce moment-là, on peut dire, que tu rencontres, on peut dire, quelqu'un qui va te regarder comme un être humain. Hein. Et ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien pour des gens qui ont toujours été pris pour des comptes bancaires, on peut dire, par leur copain ou leur copine. Voilà, d'arriver devant quelqu'un qui te regarde, on peut dire, tel que tu es, et qui n'est pas là, on peut dire, pour te juger. Hein. Je veux dire, en fonction, on peut dire, de tes diplômes, combien tu gagnes, c'est quoi les études que tu as fait, qu'est-ce qu'ont fait tes parents, enfin, je veux dire, où tu es obligé de balancer, on peut dire, tout le pédigré, qui est un non-pédigré, puisque c'est basé sur, on peut dire, l'argent. Voilà, l'argent, la matérialité, la réussite sociale. Voilà, il y a plein de gens qui n'ont pas réussi socialement. Hein, je veux dire, bon, surtout quand on voit, on peut dire, le niveau, on peut dire, d'inculture, on peut dire, au niveau de la télé. Je veux dire, on est très très content de ne pas avoir réussi socialement. Hein, quand on voit le level, on peut dire, même des films français. Hein, je veux dire, bon, là c'est la grosse dégringolade. Donc on est tous très contents de ne pas avoir réussi, en tout cas, dans ce milieu-là. Parce que c'est un milieu, on peut dire, qui perd les gens. C'est un milieu, on peut dire, où les gens sont très très malades. Hein. Bon, moi, je me permets d'en parler parce que je connaissais, je veux dire, les actrices américaines et je connaissais la façon dont elles vivaient. Hein. Et je ne parle pas non plus des gens de la télévision française, hein, que j'ai côtoyés pendant des années. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller, on peut dire, prier. En lieu saint et auprès, on peut dire, d'un groupe, hein, parce que ça va vous faire du bien, que les gens, on peut dire, vous regardent, on peut dire, avec humanité. Hein. Surtout dans un monde, on peut dire, où l'humanité, on peut dire, a disparu, hein, puisque on veut nous faire transformer, on peut dire, la vie en robots, voilà, on veut qu'on soit marqué, je veux dire, on va tous avoir une puce RFID, enfin. Voilà, c'est-à-dire que l'être humain, je veux dire, c'est juste du bétail. Donc,
Voilà, donc c'est aussi pour expliquer que bah, il faut, on peut dire, voilà, se battre pour exister, et non pas être soumis, on peut dire, à tout, à toutes les personnes, on peut dire, et à tous les diktats. Voilà, l'être humain n'est pas un paquet de viande, l'être humain c'est un être hors du commun, c'est on peut dire la projection de Hachem, de Bouddha ou de Allah, on peut dire dans ce monde, la projection de Dieu, hein, c'est on peut dire, voilà, on a quelque chose qui est complètement hors norme, hein, avec cet ADN quantique, hein, qui nous vient aussi de tous nos ancêtres. Et donc, je vous dis, même les scientifiques, hein, des gens qui sont voilà, prix Nobel, hein, prix Nobel de physique, prix Nobel de mathématiques, je veux dire, au bout de l'équation, ils n'y arrivent plus. Hein, ils n'y arrivent plus parce que c'est quelque chose qui est complètement transcendant, c'est hyper surnaturel. Hein, l'être humain est un être hyper surnaturel. Hein, à partir du moment où on peut dire on en a, on peut dire les clés. Et les clés, je veux dire, c'est pas d'être riche. Hein. Les clés, c'est pas de vivre dans un bel appartement de 150 mètres carrés. Hein. C'est pas tout ça. Les clés, c'est la communauté, d'abord, la communauté de valeurs. Hein. Et c'est l'unité. Hein. L'unité avec Hachem, l'unité avec Allah, l'unité avec Bouddha. Voilà, l'unité, on peut dire, en soi-même. Hein. Et c'est pas être dans l'ignorance crasse et je veux dire se prendre pour un téléphone sur patte. Hein. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, si vous vous sentez pas très bien, renseignez-vous pour aller, on peut dire, dans un groupe, on peut dire de prière ou même de chant sacré. Hein. Moi j'ai fait du chant, je veux dire, du chant grégorien quand j'avais 19 ans, hein, je veux dire, bon, ça m'a pas fait de mal, hein, bien sûr, parce que moi j'adore la musique d'église, voilà. Bon, j'étais qu'avec des petites vieilles, mais bon, c'est pas grave. Puis j'avais des copines, je veux dire, elles sont toutes allées, voilà, c'était Saint-Cyr, donc elles sont toutes allées plutôt au Carmel ou plutôt à Saint-Cyr à l'époque. Hein. Mais voilà, donc voilà, c'est assez intéressant. Après, c'est en fonction, on peut dire, de votre culture. Mais moi, je pense que c'est bien de prier chez soi, mais c'est bien aussi, on peut dire, de pouvoir aller, on peut dire, dans une communauté de valeurs, hein, une communauté, on peut dire, qui vous ressemble, où vous pouvez, on peut dire, partager aussi, voilà, vos ressentis, vos prières, vos valeurs. Voilà, et on peut dire que la prière, je veux dire, à plusieurs, hein, moi j'ai prié, je veux dire, surtout en Asie, dans des salles immenses, où il y avait 400, 500, 800 personnes, je veux dire, on priait devant le Sutra du Lotus ensemble, et on a une perception, on peut dire, qui est complètement différente. Donc voilà, bon, et puis l'Asie, enfin je veux dire, voilà, on a une perception aussi de l'espace qui est beaucoup plus large, je veux dire, à tout point de vue, tout simplement parce que les populations, je veux dire, sont très importantes, hein, les villes font à peu près 35 millions d'habitants en Chine, un minimum. Donc voilà, donc on a une autre dimension, hein, évidemment au niveau de l'espace, hein, et aussi au niveau du temps. Donc on a une conscience, on peut dire, qui est complètement, on peut dire, différente de la spiritualité, de la façon dont on prie. Hein. Et quand on prie, on peut dire ensemble, hein, quand y a vraiment un groupe, je veux dire, où on est très très nombreux, hein, eh bien, tu sens bien que, je veux dire, c'est quelque chose qui prend forme. Hein. Tu sens bien que, je veux dire, ta prière, en l'occurrence le Sutra du Lotus, voilà, puisque moi je l'ai énormément prié, on peut dire, en Asie, eh bien, je veux dire, tu sens que, je veux dire, le truc, c'est pas du rêve. Hein. C'est quelque chose, en tout cas, qui a une force et qui est extrêmement concret. Et la prière permet, on peut dire, de se purifier, on peut dire, d'informations erronées, de se purifier aussi de blocages, on peut dire, karmiques, hein, voilà, d'avoir des prises de conscience aussi sur, on peut dire, des parties, on peut dire, d'ADN quantique, de préjugés familiaux, de préjugés sociaux, hein. Voilà, pourquoi? Eh bien parce que quand tu es dans la prière, tu es hors du temps et donc tu as un décalage, on peut dire, avec, on peut dire, ta vision
de la réalité. Hein. Et ce décalage, c'est un petit peu comme si tu prenais ton avion. Hein, voilà, t'habites à Paris, tu as toujours vécu, on peut dire, dans ton bocal à Paris. Et donc, on peut dire la prière et ce décalage, on peut dire, de ta conscience, c'est un peu comme si tu prenais l'avion et tu allais à Shanghai. Et là, tu te rends compte, on peut dire, que ce que tu trouvais vraiment super, extraordinaire, Paris, machin, tu te dis, bah là, je suis à Shanghai, je veux dire, je suis en haut de la tour, là, et je veux dire, c'est vrai que Paris, c'est un confetti hein, dans le monde. Hein. Donc, y a plein de choses comme ça, on peut dire, voilà, que l'on. On prend conscience simplement parce que on a une autre perception, on peut dire, de la réalité, de ses propres conditionnements, de la façon dont les gens autour de vous peuvent, on peut dire, réagir, on peut dire, ou surréagir dans une attitude précise, et ce qui ne sera pas le cas, par exemple, pour des personnes vivant, on peut dire, par exemple, en Chine, en Russie, ou éventuellement, on peut dire, dans les pays du sud-est asiatique ou en Afrique. Donc c'est ça qui est intéressant et plus on peut dire on sait on peut dire prier avec des groupes et plus on peut dire on comprend je veux dire les à la fois la pierre d'achoppement on peut dire de certains voilà de certaines communautés hein, et on comprend aussi pourquoi je veux dire il y a des gens qui sont tout le temps dans la révolte hein, voilà donc parce que par la prière, on arrive en tout cas, je veux dire, à rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés ailleurs. Hein. C'est-à-dire que on a tous l'habitude d'être, on peut dire, dans nos, on peut dire, voilà, dans nos familles respectives, hein, les bourges avec les bourges, voilà, les employés avec les employés, je veux dire, voilà, les mécanos, je veux dire, avec les mécanos, les profs avec les profs, les instits, je veux dire, tout est scindé, hein, les gens qui font de la télé, les gens qui font du cinéma, enfin voilà, je vous en passe, voilà, des vertes et des pas mûres, mais je veux dire, il n'y a aucune unité. Hein, et ça nous vient, comme je vous l'avais dit, de Descartes. Hein, ouais. Descartes, là, je veux dire, il nous a bien mis, on peut dire, dans la dualité du mental. Et ça nous vient aussi des Grecs. Hein, voilà, des Grecs, on peut dire, qui ont tout aspiré, on peut dire, des textes religieux. Voilà, des textes, on peut dire, hindous, des textes, on peut dire, carians, des textes juifs. Mais je veux dire, sans pour autant, on peut dire, reconnaître, on peut dire, un vrai Dieu, hein, puisqu'ils avaient plein de dieux, hein, voilà, donc c'est un petit peu ça. Donc nous, on est un peu dans la pensée grecque, hein, voilà, des Grecs qui ne voulaient pas, on peut dire, que la Torah orale soit diffusée, hein, mais on pouvait, voilà, on pouvait étudier la Torah écrite, mais il fallait pas de la Torah orale parce que la Torah orale pouvait être un petit peu dangereuse. Oui, quand les gens, on peut dire, s'expriment sur un texte et font réfléchir, on peut dire, leurs élèves, ça peut être évidemment dangereux pour, on peut dire, des gens qui sont simplement dans l'érudition, voilà, et qui n'ont pas, on peut dire, une vision transcendante, on peut dire, de leur civilisation. Hein, parce que les Grecs, c'est ça, c'est la philosophie qui nous permet, on peut dire, de tourner autour de concepts. Donc nous, je veux dire, ça fait des siècles qu'on développe, on peut dire, des concepts, hein, des concepts philosophiques, grecs, voilà. Et donc c'est ça qui nous a coupés aussi de notre spiritualité. Et c'est pour ça que les gens, on peut dire, sont, voilà, ils sentent pas bien. Il y a ça aussi. Et puis il y a toute l'histoire, évidemment, aussi avec les rois de France. Hein, je veux dire, la Révolution française, ça nous a pas fait du bien non plus avec Monsieur Guillotin. Hein, donc voilà, donc on charrie tout ça, évidemment, dans notre matrice, dans notre corps. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui essayent par tous les moyens de récupérer, on peut dire, leurs racines. Leurs racines ancestrales, leurs racines culturelles, leurs racines hébraïques, leurs racines musulmanes. Voilà, parce que c'est une façon de se préserver et c'est une façon, on peut dire, d'échapper, on peut dire, au trou noir, hein, qui est, on peut dire, notre culture, notre civilisation, on peut dire, blanche, européenne, voilà, qu'on veut absolument imposer à tout le monde alors que personne n'en veut. Hein.
Et donc c'est ça. Donc voilà, pour à la fin que tout le monde, je veux dire, soit, je veux dire, avec le paquet de pop-corn, je veux dire, comme aux États-Unis, devant Netflix, hein, et que plus personne ne bouge. Voilà, donc vu que nous, on peut dire, on n'est pas comme ça. Hein, voilà, bon après, moi, voilà, c'est un petit peu ce que j'ai analysé aussi, parce qu'il y a quand même, il n'y a pas que moi, il y a beaucoup d'Européens, je veux dire, qui se tournent sur des... Voilà, par rapport à des cultures, par rapport à des groupes, je veux dire, il y a même des acteurs, enfin, je veux dire, qui se tournent vers la spiritualité. Donc voilà, donc tout ça, on peut dire, a un sens, et c'est le sens de l'existence, hein. Il faut comprendre que tout ça, c'est pas fait pour faire joli, hein, ou éventuellement pour faire un joli film. Tout ça, c'est fait pour exister, et non pas, on peut dire, être supprimé de la ligne d'ADN. Parce que si tu n'existes pas, si tu n'es pas dans la dynamique de ta vie, hein, eh bien, je veux dire, tout s'effondre. Je veux dire, après, tu ne ressembles plus à rien. Hein, je veux dire, et puis tes enfants non plus. Donc, tant que tu portes, on peut dire, le flambeau, je veux dire, de la lumière, du feu sacré, voilà, de la compréhension, de l'honnêteté, des valeurs, hein, des valeurs tout simplement, des valeurs humaines, des valeurs humanistes, hein, eh bien, tu es dans la dynamique de ta vie, et donc, tu es, on peut dire, dans une perspective d'existence, et non pas dans une perspective, on peut dire, de soumission. Je veux dire, à des gens, voilà, qui sont là, qui t'imposent des choses, voilà, qui te disent, toi, tu ressembles à rien, toi, t'es rien du tout, moi, je suis plus fort que toi, j'ai plus d'argent, j'ai une belle voiture, toi, t'es rien du tout. Des gens qui sont là sans arrêt pour t'écraser la figure, qui sont parfaitement incultes, mais qui se permettent quand même, voilà, de te juger, hein, je veux dire, alors que, je veux dire, ils ne comprennent absolument rien à ce que tu peux raconter. Voilà, je veux dire, dans ta vie, hein, ou je veux dire, ils ne comprennent rien, on peut dire, au chemin spirituel que tu peux emprunter. Hein. Donc souvent, plus les gens, on peut dire, te jugent, plus ce sont des gens qui sont dans l'ignorance. Et donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les gens qui peuvent te juger parce que tu vas dans une communauté, ou parce que tu es dans la spiritualité, eh bien, c'est tout simplement des gens aussi qui aimeraient bien être à ta place, parce que toi, tu as le mérite, on peut dire, d'exister, et donc on peut dire que Dieu, Allah, Hachem, te le rendent bien, ainsi que tous les prophètes d'Israël et le prophète Jésus. Tandis que, je veux dire, des gens, on peut dire, qui ne font rien, voilà, qui sont sans arrêt, on peut dire, dans la boursouflure et dans la vantardise de ce qu'ils possèdent, eh bien, voilà, ce sont des personnes, on peut dire, qui n'ont pas, on peut dire, peut-être ton niveau culturel ou ton niveau intellectuel, et qui compensent tout simplement par rapport tout simplement à leur compte en banque. Hein. Mais ils aimeraient bien être à ta place. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'au fond d'eux, voilà, si toi tu es capable d'aller dans une communauté, voilà, capable d'avoir des valeurs, eh bien il y a aussi des gens, on peut dire, qui sont peut-être feignants, ou qui en sont, on peut dire, incapables, mais qui aimeraient bien être à ta place. Donc, étant donné qu'eux, ils n'y arrivent pas, ou eux ne le veulent pas, eh bien, ils vont te mettre des bâtons dans les roues pour que, évidemment, toi, tu n'y arrives pas. Hein, voilà, parce que de cette manière, c'est comme ça que l'on justifie, je veux dire, son niveau, voilà, son niveau d'inculture et son niveau de bêtise. Hein, en évitant que les autres existent, hein, bien sûr, parce que si les autres, on peut dire, qui sont, on peut dire, différents, pouvaient exister, hein, alors je parle par exemple, voilà, des Africains, voilà, par rapport, on peut dire, aux Blancs, par rapport à la colonisation, par rapport à tout ça, mais bon, il y a plein de choses, hein, il y a la guerre des boxeurs par rapport aux Chinois, voilà, on peut prendre énormément de choses, il y a les Juifs par rapport à la Shoah, voilà, il y a les bombes, je veux dire, pendant la Deuxième Guerre mondiale sur Hiroshima et Nagasaki au Japon. Voilà, donc si les gens se mettaient à exister, je veux dire, les personnes, on peut dire, qui essayent de les soumettre, je veux dire, ils feraient 2 cm. Donc voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit que, voilà, pour, on peut dire, exister, hein, chaque jour, c'est un combat. Hein, voilà, et c'est pour ça que je fais mes vidéos, parce que le combat, bah, c'est le combat,
voilà, de la lumière contre l'obscurité, hein, l'obscurantisme, des gens qui ne veulent rien comprendre, des gens qui sont dans les représailles, comme vous avez vu hier. Voilà, des gens qui ne s'arrêtent jamais parce que c'est toujours la faute de l'autre ou des autres. Ou c'est voilà, des gens qui ne supportent pas, on peut dire, des personnes qui sont différentes d'eux. Hein. Je veux dire, t'es jaune ou t'es blanc, t'es en face d'un noir ou d'un mexicain ou je veux dire ou d'un russe, bah voilà, bah tu le blais, tu peux pas le blairer parce qu'il n'est pas comme toi, mais tu vas avoir beaucoup de problèmes. Hein. Hein, ouais, parce qu'on est quand même 7 milliards. Hein, donc si à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, t'es pas d'accord avec lui, je te souhaite du courage quand même. Hein. Hein, parce que c'est pour ça que je parle de groupe. Hein. Il faut être, on peut dire, dans une certaine forme, on peut dire, d'harmonie. Voilà, il faut pouvoir, on peut dire, échanger, on peut dire, ses propres valeurs. Être plutôt, on peut dire, voilà, dans la paix, mais sans pour autant tendre, on peut dire, les deux joues pour se faire, je veux dire, latter. Hein. Il faut savoir être dans l'équilibre et, je veux dire, il faut que les gens en face comprennent ce qu'est la justice et l'équilibre. Hein, donc parfois il faut aussi leur mettre des coups, je veux dire, jusqu'à ce qu'ils comprennent. Voilà, il faut savoir marcher droit. Bon, après c'est pas moi qui mets, voilà, moi je mets pas de coups. Mais ce que je veux dire c'est que quand les gens, on peut dire, voilà, sont, voilà, vivent, on peut dire, en dehors des lois, on peut dire, quantiques de l'univers, malheureusement, on peut dire, dans leur vie, il leur arrive des événements très difficiles. Jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils aillent, on peut dire, dans le chemin, on peut dire, du divin. Voilà, et puis bon, il y a des personnes, on peut dire, qui peuvent être épargnées, mais ce que je veux dire, c'est que si Dieu t'épargne, ça veut dire que, je veux dire, il a plus rien à faire avec toi. Hein. Il y a ça aussi qu'il faut comprendre, voilà. Que les gens qui ne sont pas épargnés, on peut dire, c'est parce que, on peut dire, il y a une dynamique à travers une expérience, hein, à travers, on peut dire, une compréhension, qui est une compréhension de spiritualité et d'unité, on peut dire, avec ton Dieu, voilà, d'unité avec Hachem, Allah, Bouddha ou Dieu, hein, en fonction de ta culture. Voilà, je vais m'arrêter là, ok? Allez, à tout de suite pour le tarot. Voilà, pour le tarot et les énergies, en tout cas pour aujourd'hui. Alors, vous voyez, j'ai mis mon joli pull orange. Hein, donc voilà, là, on va être dans le chakra, on peut dire, voilà, le chakra sacré, le chakra de la créativité. Voilà, je vous ai mis mon petit nœud rouge. Hein, voilà, c'est le cadeau du mois de décembre. Hein, voilà. Allez. Donc là nous avons les sombres mystères. Hein, voilà, donc on peut dire qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans la situation. Ce qui est bien, c'est que les sombres mystères sont inversés. Hein. Donc comme je l'avais, on peut dire, à l'endroit. Hein, bon là visiblement, il y a des choses qui vont être éclairées. Hein. Moi c'est ce que je sens. Voilà, où il y a des gens qui ne comprenaient pas des choses, qui vont apprendre, on peut dire, des choses. Okay. Donc là, nous avons Notre-Dame, on peut dire, de la Renaissance. Voilà, je vous montre cette carte. Cette carte est aussi inversée. Donc, il faut comprendre, quand vous avez des cartes, on peut dire, en inversé, ça veut dire qu'elles sont bien droites sur le plan quantique. Ok? Et après, on peut dire, il y a un spin qui se passe. Hein, c'est comme les chakras. Et voilà, à moins que elle se soit déjà retournée, on peut dire, dans mes tirages, on peut dire précédents. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder mes tirages 3 par 3. En commençant par exemple cette vidéo et puis en regardant, on peut dire, la vidéo d'hier et d'avant-hier. Mais c'est toujours 3 par 3, mes amis. Hein. Alors là, nous avons Notre-Dame de la Rédemption. Voilà. Donc là, ça va être les roses de Keter, les boucles de Keter, hein, que l'on trouve aussi dans le Zohar et dans l'arbre de la Kabbale. Ouais, il va y avoir des énergies, on peut dire, très très douces, hein, qui vont arriver, on peut dire, par la suite. Hein, ou il peut s'agir, on peut dire, d'énergies très contradictoires, hein, des flux et des reflux. Hein. Ouais, des gens qui n'arrivent pas, on peut dire, à choisir. Et ah bah j'ai pas mis mes lunettes, mais attendez, n'importe quoi, moi.
Et là, nous avons Notre-Dame de la Divine Présence. Donc là, ce que... Alors, la Divine Présence, la présence, je l'avais déjà hier. Donc là, avec Notre-Dame de la Résurrection, donc là, ça va être la résurrection, on peut dire, sur beaucoup d'illusions. Voilà, Notre-Dame aussi, bon là visiblement la promesse ne va pas être tenue, hein, visiblement. Et la promesse, on avait fait une promesse dans le dos de quelqu'un, hein, visiblement. Les sombres mystères, hein, donc voilà, donc là visiblement ça va pas être tenu parce qu'il y a Notre-Dame de la Divine Présence. Donc là, on va choisir, on peut dire, une troisième voie, carte numéro 14. Alors 14, c'est toujours le fils de Noun. Hein. Donc là, c'est une nouvelle, on peut dire, communication qui arrive. Et la résurrection, comme je vous dis, c'est l'écroulement, on peut dire, de l'ego. Hein. L'écroulement, on peut dire, des illusions. Voilà, on s'était trompé de voie, on n'avait pas compris. Hein. Et donc là, nous avons toujours, en tout cas pour aujourd'hui, les eaux sacrées. Donc là, il y a des gens, on peut dire, qui vont comprendre, on peut dire, une situation à travers, on peut dire, quelque chose qui va être sacré ou quelque chose qui est sacralisé. Hein, ou vous avez, on peut dire, dans votre arbre généalogique et transgénérationnel, des gens qui sont, on peut dire, très proches, on peut dire, du sacré. Hein, ou que l'on va, on peut dire, encenser, voilà, ou que l'on va oindre, enfin je sais pas, il y a un truc comme ça en tout cas, c'est ce que j'ai par rapport à de la communication et c'est aussi par rapport à baisse, hein, donc c'est par rapport à une naissance aussi, hein, ou ça peut être aussi un nouveau projet, hein, ou c'est par rapport à quelque chose qui s'est produit dans le passé, parce que 27 c'est 9, c'est l'ermite, hein, et c'est par rapport, on peut dire, à un cœur sacré, hein. Alors c'est plutôt, on peut dire, un enfant par rapport à voilà, Notre-Dame. Voilà, Marie. Ouais, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir une nouvelle vision, soit sur la vie, hein, soit sur votre chemin. Hein, bien sûr, vous allez regarder, on peut dire, votre vie de façon complètement différente. Ou ça peut être par rapport à quelqu'un, on peut dire... autour de vous, un membre de votre famille, votre ex, votre mère, voilà. Vous allez en tout cas avoir, on peut dire, une divine présence. Pour d'autres, vous êtes accompagné, on peut dire, d'un membre décédé de votre famille, plutôt une femme. Ça peut être ta mère, ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère. Et c'est par rapport à Bina. Donc là, j'ai toujours 18. Ça, c'est des trucs qui sont tombés tout à l'heure, là, quand j'étais en train de voilà, mélanger. Il s'agit de Vav, hein, puisqu'on avait eu Vav inversé. Donc là, Vav, il est dans le bon sens aujourd'hui, en tout cas par rapport à cette carte. Il s'agit de justice. Et donc, la justice, ça va être la divine présence. Donc, présence d'une personne, on peut dire, qui est partie aussi. Et ce que tu penses est juste. Par rapport à l'émanation et par rapport au feu, hein, donc feu c'est Chine, voilà c'est par rapport on peut dire à quelqu'un voilà qui sait pas trop où il sait pas où il va, c'est par rapport à les émanations c'est plutôt dans Keter, dans l'arbre de la Kabbale, donc c'est quelque chose qui descend par rapport on peut dire à des sombres secrets, des choses que voilà qui n'étaient pas dévoilées dans la situation, et donc ce qui descend aussi c'est une promesse. Hein. Donc là il y a une promesse, on peut dire qui a peut-être été faite, on peut dire entre une ou plusieurs personnes de votre famille décédées, ou ce sont des gens qui sont au moment de leur mort, on peut dire, ils ont fait une promesse. Et cette promesse, on peut dire, redescend. Et c'est pour ça qu'il s'agit, on peut dire, de résurrection. Donc la promesse, c'est peut-être aussi la résurrection par rapport à un titre, parce que j'avais les titres de noblesse, ou par rapport, on peut dire, à de nouvelles valeurs, on peut dire, dans votre vie. Et c'est par rapport à des gens, on peut dire, qui ont, voilà, qui sont tombés, on peut dire, dans l'adversité, hein, où vous avez eu beaucoup d'ennemis autour de vous, hein, où vous avez été tondu comme un mouton. Hein. Donc, dans une histoire de justice, en tout cas, ton innocence va être reconnue, les coupables vont être confondus. Hein. Pourquoi? Eh bien, parce que tu vas chercher l'amour de la vérité. Par rapport, on peut dire, à voilà, des choses scandaleuses ou par rapport à un procès scandaleux. Hein, et tu vas comprendre aussi qu'il y a une personne de ton entourage, un homme vil, qui t'a dicté, on peut dire, ta conduite, ou il y a quelqu'un de très vil. Hein, bon, là, j'ai plutôt un homme, mais ça peut être plusieurs hommes ou un groupe, ou ça peut être aussi une femme, voilà, qui t'a dicté ta conduite, et ça a été pour te plumer.
Et donc, nous avons aussi les dictateurs. Et donc, on peut dire qu'il y a, on peut dire, voilà, soit tu as des dictateurs intérieurs, hein, voilà, c'est-à-dire des préjugés, des conditionnements, on peut dire, erronés, soit on peut dire ce sont de véritables ennemis, hein, des gens, on peut dire, qui te dictent, on peut dire, ce que tu dois faire, qui te dictent ta conduite. Et là aussi, par rapport aux dictateurs, ça dépend de ton attitude, ces 100 ans de solitude. Au-dessus du volcan, j'entends battre son cœur qui font grincer les dents des dictateurs. Et donc là, visiblement, il y a en tout cas un message au-dessus du volcan. Et donc là, visiblement, tu vas recevoir un message qui va faire grincer les dents des dictateurs. Hein, mais je veux dire, des gens, on peut dire, qui sont tes ennemis, ou des gens, on peut dire, qui te tordent dans tous les sens, on peut dire, pour t'empêcher d'avancer. Je veux dire, toi, je veux dire, tu t'en fous. Et donc on peut dire que par rapport au dictateur, je veux dire, c'est Notre-Dame des eaux sacrées, je veux dire, qui va nettoyer tout ça. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu ça en tout cas aujourd'hui. Ok. Alors, je vais prendre donc mes cartes là. Donc là, il y a des choses, on peut dire des choses assez mystérieuses ou des choses. Que vous ne savez pas, qui sont dévoilés. Hein. Mais moi, ce que je vous dis, c'est des personnes peut-être qui ont, voilà, qui ont fait des promesses. Et la promesse, ça va être la résurrection, hein, mes amis. Donc là, sur, on peut dire, les sombres mystères, hein, nous avons le bras puissant du divin. Voilà, donc là, ça va être une grande clarté. Hein. Voilà, on va joindre le geste à la parole. Il s'agit de la torche de la liberté. Hein. Le bras, un haut potentiel. Hein. Bon, des gens, on peut dire, qui se font énormément manipuler. Hein. Voilà, c'est un bras qui s'ouvre vers l'extérieur. Il s'agit d'exécution de la pensée. Hein. C'est pour se libérer du pouvoir et de la manipulation. Hein. Il s'agit de fécondité et de libération. Hein. Voilà, le bras puissant de Dieu. Hein. Il s'agit aussi de personnes qui vont lever les bras ou qui vont faire des rituels. Et pour d'autres, vous allez recevoir, on peut dire, les sarments du Christ. Hein. Je veux dire, tu vas recevoir la foudre. Et là, la promesse inversée, là, visiblement, c'était par rapport à la sirène. Voilà, bon, là, visiblement, le bras puissant de Dieu va énormément s'allonger sur des songes diaboliques et le chant irrésistible de la sirène, je veux dire, qui a, je veux dire, sa petite grenade, là, visiblement, ou sa petite fiole. Ouais, des récifs mortels, hein. Des gens qui vont avoir une impulsion vitale par rapport à la folie de la séduction. Ouais, des gens qui sont dans l'autodestruction et là, visiblement, tu ne respectes pas, on peut dire, ta promesse ou la promesse de tes ancêtres, hein, visiblement, avec une magicienne ou des gens qui sont à fond dans la Touma, des gens qui veulent t'attirer, je veux dire, qui veulent attirer ton ego, hein, des gens qui s'attaquent à ta conscience. Des gens qui ne respectent rien, hein, des gens, je veux dire, ils ont peut-être signé un contrat ou ils t'ont fait une promesse, je veux dire, là, je sais pas, j'ai toujours la petite grenade, hein, je veux dire, on va te piquer ta fécondité, on va te piquer, on peut dire, ton argent, ta terre, voilà. Ouais, des gens qui s'attaquent à ta conscience. Donc après, nous allons aller vers la résurrection avec la bulle du Tao. Ouais. Après la sirène et les songes diaboliques, hein, je veux dire, le chant irrésistible de la sirène. Bon, la bulle du Tao, c'est une fragilité qui disparaît rapidement. C'est un style de vie, on peut dire, plus créatif. C'est des gens qui font des BA, hein, voilà. Il s'agit d'unité, de complétude spirituelle, de légèreté, de flottement, d'un courant invisible, d'une petite brise. Hein, voilà, c'est la bulle du Tao. Hein, voilà, quelqu'un qui est plutôt dans l'amour. Une idée insaisissable. Des gens qui manquent peut-être de réflexion. Tu vas te retrouver à la source de toute chose. Il s'agit d'immatérialité. Hein.
Voilà, il s'agit du psychisme, du temps et de l'espace. Hein. Donc là, on est dans la résurrection, visiblement avec la bulle du Tao. Voilà, ouais, je veux dire, vous allez boire du champagne. Hein. Ça va être un peu ça. Voilà, ça va être la bulle. Hein. Tu vas buller, hein. C'est bien. Il y a les gens qui vont se reposer, là, visiblement, après les dictateurs hein, ou les dictats. Et la divine présence, c'est une blue lady. Hein, ouais, je veux dire, c'est une femme qui te met dans beaucoup d'émotions. Ou la blue lady, ça peut représenter aussi une personne de ta famille décédée. Hein. Ouais. Alors pour d'autres, ce sont de nouvelles informations. Ouais, ce sont de nouvelles informations par rapport, on peut dire, à la divine présence. Hein. Ouais, tu comprends un truc là, visiblement. Entre eux, on peut dire des gens qui sont dans la vacuité spacieuse. Et je veux dire quelqu'un voilà, qui peut te donner, on peut dire, des informations. Et là, nous avons, on peut dire, voilà, le centre créateur. Pour le moment, on peut dire que cette carte est inversée. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que sur, on peut dire, les sombres mystères, ou on peut dire, bon, bah là, les sombres mystères, je veux dire, ça va s'arrêter. Hein, je veux dire, voilà. Ouais, c'est bloqué puisque c'est inversé. Et par rapport, on peut dire, à la promesse, bon, bah là, visiblement, il y a des gens qui se réveillent. Voilà, voilà, le centre créateur, c'est le bindu chez nos amis indiens. Voilà, c'est la machine du monde. Ok, donc là, ce qu'on peut dire, c'est que par rapport, on peut dire, aux eaux sacrées ou par rapport à une femme. Voilà, il va y avoir une grande purification, on peut dire, par rapport à beaucoup d'adversités, où vous avez beaucoup d'adversaires. Par rapport à une Blue Lady aussi, hein, qui fait grincer les dents des dictateurs. Voilà, c'est une durée brève, mais d'une grande intensité. Alors pour d'autres, il s'agit de vous réconcilier, on peut dire, avec un membre de votre famille aussi. Pour d'autres, c'est par rapport, on peut dire, à une personne. Voilà. Là, il y a quelqu'un qui va tomber involontairement amoureux. Il s'agit d'une naissance aussi. Et il faut que tu cherches Dieu à partir de toi-même. Et il s'agit d'un calendrier divinatoire, d'un moment suspendu. Hein. Là aussi, on est en suspens, hein, visiblement, par rapport, on peut dire, au cycle sacré, par rapport au dieu serpent. Il s'agit d'un ordonnancement temporel, il s'agit d'éternité. Voilà. Donc là, on peut dire que le centre créateur va arriver. Voilà. Et puis, par rapport, on peut dire, à des choses mystérieuses, vous allez découvrir, on peut dire, voilà, des trucs. Ok. Alors, bon, alors attendez, parce que là, il manque des trucs. Ah, voilà, ils sont là. Ils ont mis ça de l'autre côté. Allez, excusez-moi. Je n'ai pas coupé parce que, je sais pas, j'ai un problème avec ma vidéo hier. Alors, je prends mes petits. Voilà. Alors là, j'ai le haut, hein, visiblement. Hein. Moi, je sais pas, il y a des gens qui pleurent en mettant leurs lunettes. Hein. Ouais. Moi, je sais pas, il y a des gens qui vont jouer au tennis ou vous avez des chaussettes bleu, blanc, rouge. Moi, bon, alors là, j'ai toujours la fiole. Hein. Bon, la fiole, ça a été les récifs mortels, hein, visiblement. Après, j'ai toujours, on peut dire, des gens qui vont se retrouver, on peut dire, voilà, vous allez faire des positions acrobatiques dans le lit. Hein. Donc, j'ai la lettre donc O et j'ai la lettre A. C'est OA. Hein. Alors, c'est aura, puisque j'ai R. Ok. Alors, le R, il est sur le B, il est sur le O avec un vélo, hein, là, visiblement. Alors pour d'autres, je sais pas, vous pleurez, il y a un boom, hein, ou boom, broom, ou vous partez, c'est par rapport, on peut dire, à ce qu'il y a dans une petite serviette, voilà, dans votre cartable, là ça va pas. Ouais.
Alors sinon j'ai B, hein, voilà, B, O, hein, O, hein, M, et donc j'ai R, hein, d'accord. Et là, visiblement, c'est par rapport, on peut dire, à un restaurant. Ou c'est toujours par rapport, on peut dire, à une invitation. Bon, l'invitation, je veux dire, c'est pour du sexe. Hein, voilà. Donc là, sûr, on peut dire, voilà, des gens qui pleurent. Hein, ouais, des gens qui pleurent. Ou c'est par rapport à un vélo. Hein, là, je sais pas, t'as une copine en vélo. Hein, et c'est par rapport à une fiole bleu, blanc, rouge aussi. Hein, des récifs mortels, hein, c'est juste en dessous. Donc c'est par rapport à Broom. BR, 2O. Voilà, Broom. Voilà. Alors, pour d'autres, vous avez des origines, on peut dire, du Nord. Hein, je veux dire Allemagne, Suède, voilà. Ou c'est par rapport à Boom. Alors, il y a une fiole, là, bleu, blanc, rouge, qui fait Boom. Dans un déplacement, hein, par rapport à des gens qui passent sous les radars en vélo. Hein. Ouais, des gens qui sont pas contents. Hein. Ouais, là, visiblement, la nuit, on n'est pas content. Hein. Ouais. Alors pour d'autres, j'ai RAM, hein, toujours des gens qui sont dans l'informatique avec les RAM. Voilà. Ensuite, bon, j'ai quelqu'un qui mord. Voilà. Ou quelqu'un qui est mort. Ok. Voilà. Donc mordre ou mort, quelque chose de mortel. Après, bon, là, je sais pas, il y a Mour. Alors j'ai amour, alors c'est l'amour d'Aria par exemple, ou je veux dire, voilà, ça peut être un fleuve aussi. J'ai BAM, ouais, j'ai BAM BOOM, bon c'est un peu ce que j'ai. Barreau. Par rapport à des gens qui peuvent être voilà, inscrits au barreau. Hein. Barreau et le barreau. Ou baron. Barom. Voilà, barreau, baron. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Voilà, on a une petite fiole bleu, blanc, rouge. On ne sait pas trop à quoi elle sert. Hein, voilà. Hein, là, visiblement, il y a des gens qui ont des désirs impérieux, hein, et il y a des gens qui veulent mettre d'autres personnes sur des récifs mortels. Voilà, c'est un peu ce que j'ai. Ok. Ok, allez, je vais mettre ça là. Parce que sinon, je vais pas pouvoir mettre mes cartes. Alors, ensuite, avec mes petits mots, comme je vous montre. Hein, voilà. Voilà. Allez, les gens là qui veulent, qui ont des songes diaboliques, hein, je veux dire, qui s'attaquent, on peut dire, à la conscience. Hein. Ouais, bon, bah, écoute, tu vas avoir le bras puissant de Dieu, là. Hein, je veux dire, ça va être la grosse libération, hein, visiblement, de ta conscience aussi. Hein. Alors, là, nous avons un Homo Angelus, hein, donc une personne, on peut dire, de ta famille, un ange, hein, voilà, ou... Ou c'est peut-être ton ange gardien, hein, voilà. Bon après, bon évidemment, moi j'ai ma façon, on peut dire. Voilà. Alors là, visiblement, les sombres secrets, c'était sur des tuyaux toujours, hein, des tuyaux d'arrosage, de bassins. Hein, alors bon, vous êtes peut-être dans la finance, hein, vous avez des bassins, hein, bien sûr. Voilà, de bassins pour faire de l'arrosage automatique, hein, pour arroser du monde, hein, bien sûr. Et là, il y a le bras puissant de Dieu. Hein, ouais, je veux dire, on lève les bras. Hein. On dit stop. Hein, ouais. Bon, c'est par rapport à nounours. Hein, hein, nounours. Hein. Alors, tu as un nounours. Hein, visiblement, c'est une... ouais, c'est la sirène et le magicien. Ou le magicienne. Hein, ouais. Ouais, des gens, je veux dire, qui s'attaquent à ta conscience. Hein. Ouais. Bon, là, visiblement, bon, ben, le nounours va être, on peut dire, impénétrable et sacré. Hein, hein. Là, ça va être impénétrable et sacré, mes amis. Hein. Ouais, la grosse résurrection, hein, là, visiblement. Avec la bulle du Tao. Voilà, c'est ce qu'on peut dire.
Ouais, bon là, impénétrable et sacré, c'est par rapport, on peut dire, à la montagne et au ruisseau, hein. Alors pour d'autres, vous êtes à la montagne, je veux dire, faut pas vous déranger, hein. Ouais. On a nounours, je veux dire, on a un ours à la montagne, hein. Enfin, je veux dire, le mec, hein, il faut pas venir le chercher, là, hein. Dire, le type, là, il est dans le bras puissant de Dieu, hein. Ouais. Ah, je veux dire, toi, t'es en tête à tête avec un ange, hein. Hein, t'es en apesanteur, je veux dire, entre la montagne et le ruisseau, hein. Alors, bon, là, le mot Angelus, il te dit, tu n'as pas le monopole de l'amour. Ah, voilà. Bon, là, visiblement, tu vas être libéré, on peut dire, d'une situation où tu es totalement bloqué, on peut dire, peut-être par des personnes, on veut dire, qui ne t'aiment pas ou qui ne veulent pas que tu trouves, on peut dire, une femme bien ou un garçon bien. Hein, voilà, c'est ça. Ouais, alors, la personne qui n'a pas le monopole de l'amour, je veux dire, c'est la fille brune au bonnet rouge, hein, tricolore, cocarde. Hein. Ouais, bon là, visiblement, on te dit que t'es pas tout seul, visiblement, sur le case, hein, avec tes bassins, tes fils jaunes, je veux dire, tes fils de traître je veux dire, ton tuyau d'arrosage. Hein, et là, tu vas avoir une grosse reliance, hein, je veux dire, intelligence, hein, Bina, corps-cerveau, hein, je veux dire, avec un nounours. Hein, là, alors pour d'autres, ouais, là, tu as une grosse reliance, hein, visiblement, je veux dire, avec nounours. Hein. Alors, bon, là, visiblement, nous avons aussi, on peut dire, quelqu'un qui, dans le passé, on peut dire, a vécu, on peut dire, à crédit sur ton dos. Ouais. Quelqu'un qui est passé dans le sacré, hein, moi c'est ce que je peux dire. Et c'est par rapport, on peut dire, à la montagne et au ruisseau. Hein. Bon, et là, y a des gens qui essayent de savoir, hein, d'essayer de comprendre le truc parce que personne ne comprend rien. Savoir et pourquoi ça marche pas, hein, pourquoi ça déconne, hein, avec la bulle du Tao. Alors ta copine, c'est la bulle du Tao, hein, c'est possible aussi. Hein, quelqu'un de fragile, de rapide et qui disparaît. Hein. Donc c'est un peu ça. Et là, il y a des gens qui veulent communiquer aussi avec la divine présence. Hein, donc avec la Blue Lady, hein, savoir pourquoi. Hein, voilà. Et donc là, visiblement, bon, les gens qui n'ont pas le monopole de l'amour, hein, ou qui pensaient avoir le monopole de l'amour dans le passé, c'était des acteurs, des réalisateurs, des scénaristes et des producteurs. Hein. Voilà, des gens, je sais pas, vous avez fait des trucs, je veux dire, avec des canalisations d'eau, hein, de bassins, des fils jaunes, des traîtres en pagaille, je veux dire, avec des tuyaux d'arrosage pour arroser, on peut dire, du monde. Voilà. Et donc, bon, bah là, visiblement, des gens qui ne sont pas intègres avec toi, hein, des gens qui ne sont pas entiers, hein, ou, je veux dire, il ne restera pas grand-chose. Hein, on peut dire de la fille brune au bonnet rouge. Hein, ouais. Alors pour d'autres, je sais pas, vous avez tellement joué l'acteur ou l'actrice. Enfin, je veux dire, il ne reste rien de vous. Hein. Ouais. Bon, là, nous avons, on peut dire, quelqu'un qui est en reliance avec une intelligence corps-cerveau. Hein, donc, c'est plutôt évidemment une personne. Hein, il s'agit d'un homme. Hein, je veux dire, qui a le génie de piller les autres. Hein. Toi, t'es un génie, c'est pour piquer du fric à tout le monde. Hein, voilà. Ouais. Là, pour d'autres, j'ai plutôt. Alors, j'ai mis Bill Gates, hein, évidemment, mais c'est genre un peu Bill Gates. Hein, le truc, là, c'est un peu la personne, là. Elle est un peu comme ça. Hein. Alors, bon, là, visiblement, sur quelque chose d'impénétrable et sacré, la bulle du Tao. Hein, voilà, par rapport, on peut dire, à un homme de génie qui te pille. Hein, tu saisis le conseil et la vision. Et là, visiblement, les feux ne seront plus au rouge. Alors, pour d'autres, vous aviez mis, je veux dire, un gros stop. Hein, c'est par rapport, on peut dire, à de sombres mystères. Je veux dire, tu ne comprenais rien. Et c'est par rapport à des gens qui ne donnaient rien. Hein. Donc là, nous avons un homme de génie qui pille. Hein. Ouais, bon. Des gens qui vivent à crédit sur le dos des autres. Enfin, je veux dire, et des gens, on peut dire, voilà, qui ne donnent rien. Hein. Voilà. Ouais, des gens qui ne donnent rien. Hein. Des acteurs, des scénaristes, des producteurs. Ouais, des gens, je veux dire, qui ont des.
ont des oursins dans les poches. Hein. Ouais. Des gens qui sont sans arrêt en train de se servir des autres, hein, bien sûr. Donc là, là on va avoir les 400. Hein. Là, visiblement, bon, sur deux fruits. Hein. Ouais, là, il y a des gens, je veux dire, on se déplace en groupe. Hein. Ah ouais, mais visiblement. Alors pour d'autres, je veux dire, c'est la guerre. Hein. Je veux dire, là, et les 400, ça va être sur une société électrique, hein, visiblement. Une société électrique qu'on a peut-être pillée aussi. Hein. Je veux dire, c'est un truc. Je veux dire, ça va faire boum, hein, mes amis. Hein. Les 400, là, sur la société électrique, je veux dire, il va rien rester, hein, l'histoire, là. Hein. Ouais, ça va faire boum. Hein. Ouais, c'est parce qu'il y a un contrat déchiré qui prend l'eau. Hein. Alors là, il y a tout qui prend l'eau. Hein. Je veux dire, l'homme de génie qui pille, lui, je veux dire, il perd son contrat aussi. Hein. Hein. Ouais. Des gens qui peuvent être aussi, voilà, peut-être qu'ils peuvent porter des marques ou des trucs comme ça. Donc là, je veux dire, là on n'est plus dans l'observation, hein, mes amis, hein, où on a bien observé que, je veux dire, tout le monde vivait à crédit sur le dos de tout le monde. Hein, donc là, il n'y a plus d'observation. Ouais, on était dans l'observation par rapport à un contrat qui prenait l'eau, mais enfin bon, là... Et là, pour d'autres, je veux dire, le contrat, il prend l'eau aussi sur les tubes. Hein, ouais, sur les tubes ou, je veux dire, sur des tableaux de peinture. Hein. Alors là, je veux dire... Alors, sur les tubes et sur les tableaux de peinture, on avait mis un gros stop. Hein, on avait mis les feux qui étaient au rouge, là. Mais, je veux dire, là, c'est passé au vert. Hein, c'est passé au... Ouais, le rouge, c'est surtout sur la société électrique. Je vais vous dire, là, enfin, je sais pas, moi, ça fait boum, hein, le truc, là. Hein. Voilà, hein, je veux dire, il y a le chant des sirènes, là, mes amis, hein, hein, sur la société électrique, je veux dire, avec les 400, hein, je veux dire, le truc est clair. Bon, nous avons toujours les représailles, hein, là, ouais, on a toujours les représailles, hein, voilà, les représailles sur les acteurs, les réalisateurs, les scénaristes, les producteurs, enfin, je veux dire, bon, voilà, là, ouais, des gens, je veux dire, qui ne t'aiment pas, hein, là. Il n'y a aucune place dans leur cœur, je veux dire, et sur la terre. Hein. Enfin, des gens qui veulent, je veux dire, te dégager. Voilà, les 400, les deux fruits, ou deux personnes, deux endroits, ou deux régions, bah écoutez, c'est les représailles. Et donc là, il va falloir écrire, on peut dire, ta destinée, ton devenir. Voilà, avec un nounours, hein, où il y a un nounours qui écrit sa destinée. Et donc là, on te dit, il ne faut pas te laisser influencer par, on peut dire, les gens qui t'entourent, parce que tu as quelque chose de divin en toi. Et là, tu vas saisir le conseil et la vision, parce que tu vas comprendre, on peut dire, que les choses sont impénétrables et sacrées par rapport à des gens qui vivent à la montagne ou qui vivent près d'un ruisseau. Hein. Alors, pour d'autres, c'est ruisseau. Enfin, je veux dire, c'est la faute à Rousseau. Hein, voilà. Et donc là, nous avons, on peut dire, la soupe. La soupe fait maison. Alors là, visiblement, la soupe fait maison, c'est sur les feux qui sont au rouge, hein, visiblement sur la société électrique. Hein. Ouais, on va faire de la soupe, ou je veux dire, on a une fiole. Hein. On a une fiole, je veux dire, bon, un truc pas très clair. Hein. Ouais, je sais pas, on va allonger le bras du divin, là, visiblement, sur des sombres mystères, hein, des trucs qu'on voit pas. Ouais, bon, bah, écoutez, il faut se méfier, hein. Bon, bah, là, visiblement, on a un homme et une femme, je veux dire, on est en pleine préparation, hein, je veux dire, c'est les petits gâteaux. Ouais, donc, c'est un homme angelus qui te parle, hein, je veux dire, pour d'autres, je sais pas, ouais, c'est le bras puissant de Dieu, hein, je veux dire, là, qui s'exprime, hein, dans un langage, on peut dire, corporel. Ouais, ouais, par rapport à des dictateurs, hein, les amis. Hein. Alors, bon, là, visiblement, les sombres mystères par rapport aux représailles, bon, bah, c'est toujours des tondeuses à gazon, hein, mes amis. Hein. Donc, nous avons les tondeuses à gazon sur la société électrique, hein, visiblement. Ouais, par rapport à des gens, je sais pas... qui veulent écrire leur destinée. Ouais, des gens qu'on veut influencer aussi. Ouais. Ouais, il y a des gens qui vont tout donner aussi. Hein. Ouais, il y a des gens qui donnent tout, là. Bon, là, visiblement, sur des gens qui vont écrire leur destinée, hein, la longévité est modifiée, il y a une nouvelle base.
Voilà, et ça, c'est voilà, visiblement, on va plus écouter les bruits de tondeuse, je veux dire, au premier étage. Ouais, je veux dire, il y a des gens qui vont essayer de rechanger encore, on peut dire, la situation, mais ça ne va pas marcher. Bon, là, visiblement, on veut passer outre, on peut dire, les concepts, on peut dire, mathématiques. Ouais. Des gens, on veut dire, qui ne comprennent rien aux concepts mathématiques ou des gens qui sont enchaînés. Alors, ce que tu comprends pas, c'est que, on peut dire, ce que tu vis, on peut dire, c'est un concept mathématique. Voilà. Par rapport, on peut dire, à des tubes et par rapport, on peut dire, à de la peinture ou par rapport à de l'art. Et là, je veux dire, on va essayer de te faire... on va essayer de te resservir la soupe, hein, la même soupe, hein, bien sûr, le truc bien dégueulasse, je veux dire, qui te rend malade. Ouais. Mais là, enfin, je veux dire. Là, je sais pas, ouais, là, je peux vous dire que là, les coupables, hein, les coupables, hein, vont être confondus, hein. Ouais. Et là, visiblement, nous avons aussi, on a aussi un fantôme qui te parle, hein. Un fantôme du passé qui te parle. Ok. Ouais. Alors pour d'autres, vous avez été influencé, on peut dire, par une personne très néfaste, on peut dire, dans le passé. Ouais. Moi, le fantôme qui te parle, il avait des lunettes, ou je veux dire, il a des gros yeux, il a un peu comme des yeux de poisson. C'est très bizarre là. Ouais, les lunettes et les yeux de poisson ou des gens qui ont à voir avec la marine à voile ou les bateaux, c'est un trait de personnalité, un trait de génie. Et donc là, j'ai une longévité, on peut dire, qui est modifiée par rapport, on peut dire, à un homme qui pille. Ouais, un homme qui a pillé, hein. Et j'ai aussi un nounours ou un ours, je veux dire, il y a une reliance intelligente. Avec l'intelligence et Bina, un hein, corps-cerveau. Hein. Ouais. Des gens qui vont écrire leur devenir. Hein. Donc là, on te dit de prendre conscience de tes six corps au-dessus. Hein, parce qu'il y a quelque chose qui arrive hein, de fragile et de rapide. Hein. La bulle du Tao. Hein. Ouais. Une grosse résurrection, visiblement, sur les illusions pour quelqu'un. Et là, visiblement, tu ne vas plus attendre. Hein. Par rapport, on peut dire, à une personne. Il y a des gens qui se posent des questions. Comment savoir, comment communiquer, visiblement, par rapport à une Blue Lady. Hein. Ouais. Et le fantôme qui te parle, c'est quelqu'un qui a attendu, on peut dire, dans le passé. Alors, ça peut être, je veux dire, un membre décédé de ta famille. Hein, voilà. C'est en rapport toujours avec un fil orange, des ongles orange, des vêtements orange, des trucs qui sont dans les ordures aussi. Une marque de 4x4. Hein, une marque de 4x4. Alors je ne connais pas les marques de 4x4. Voilà, un truc, un truck. Quelque chose qui a rapport avec une marque, on peut dire, de voiture de 4x4. Et donc, le fantôme qui te parle, il te dit que le bulletin numéro 3 a été censuré. Ou, je veux dire, voilà, il y a des gens qui ont été dans beaucoup d'observations. Ou, je veux dire, tu as des gens qui te suivent, je veux dire, de ton arbre généalogique. Hein. Ouais. Mais là, je veux dire, les feux sont au rouge. Ou, je veux dire, ça crame dans la situation. Hein. Ouais. Bon, là, visiblement, la grosse censure, ça va être sur Butterfly, Ribbons. Un truc, je veux dire, c'est. Alors, pour d'autres, je veux dire, vous êtes entouré de mouches à merde. Hein, hein, je veux dire, et c'est peut-être pour ça que ça sent si mauvais chez toi. Hein, donc, voilà, c'est ça. Les gens, je veux dire, ça va être les. Voilà, les feux sont au rouge, hein, visiblement, sur les mouches à merde. Hein, c'est ce qu'on peut dire. Ouais. Bon, alors pour d'autres, vous avez des trucs, je sais pas, c'est en rapport, on peut dire, avec un. Voilà, quelqu'un qui est fort ou je veux dire, t'as un coffre. Hein. Ouais. Ouais. Alors attendez, je voulais juste mettre un truc là.
Bon, là, visiblement, la longévité a été modifiée, on peut dire, par rapport à quelqu'un. C'est par rapport à une chambre où il s'agit d'une caméra. Il peut s'agir de photos aussi ou de vidéos. Ouais, là, visiblement, dans un coffre-fort, enfin, je veux dire, où, je veux dire, t'es bloqué quelque part. Je veux dire, t'es en train de regarder des photos ou des trucs comme ça. Pour d'autres, voilà, bon. Ouais, c'est un peu spécial ce que j'ai. Ok. Alors, je vais prendre ces petites. Enfin bon, ça finit en boum, hein, mes amis. Hein. Je veux dire, il faut s'affoler quand même. Hein. Ouais. Bon, il y a quelqu'un qui va avoir une vision, hein, visiblement. Donc là, visiblement, il faut se dégager entièrement de toute rancœur. Alors là, il y a quelqu'un qui est prostré, hein, une prostration nécessaire. Si vous pensez que vous êtes une personne mauvaise, il va vous être compliqué d'avoir des relations sereines avec les autres parce que vous vous sentez en position d'infériorité et de culpabilité. Donc, vous pouvez être libéré, on peut dire, du karma. Il y a des gens qui vont être prêts à tout pour recommencer à zéro. C'est une demande qui va être faite du bout des lèvres et avec le cœur. Et c'est des gens, on peut dire, on va dire, qui étaient intéressés peut-être par les autres. C'était juste par rapport à leur santé. Ou c'était pour leur permettre, on peut dire, de jouir de la vie, qu'ils s'intéressaient, on peut dire, aux autres. Et donc là, il va y avoir un gros retour, on peut dire, de la santé. Hein, ou je veux dire, tu es malade et là, je veux dire, tu vas avoir une résurrection, hein, voilà, tu vas sortir, on peut dire, de ta maladie, hein, pour recommencer une nouvelle vie. Hein. Ouais, et parce que là, on te supprime, on peut dire, du karma. Et donc, pour d'autres, vous allez avoir, on peut dire, une réconciliation aussi. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une personne qui a de la vertu et cela va te permettre d'être miséricordieux, hein, ou je veux dire de permettre d'être pardonné visiblement par rapport à des sombres mystères. Voilà. Bon là, il faut se dégager de toute rancœur. Hein. Alors, pour d'autres, je veux dire, vous êtes dans la rancœur. Hein, je veux dire. Voilà, c'est un homo angelus qui te dit ça. Hein. Tu n'as pas le monopole de l'amour. Hein. La fille brune, je veux dire, au bonnet rouge, tricolore, cocarde. Hein. Ok, il faut tout donner. Hein. Donc là, nous sommes avec Rorma, avec la sagesse, hein, le verbe, le logo. Hein. Dieu l'a incité à se rendre à Rome, hein, la grande Barcelone. Il va y avoir un miracle, visiblement, à Capoue. Hein. Le pape de Rome a ordonné Raziel, avec lui, l'expulserait. Bon, une personne isolée entre lui et Dieu, il s'agit. De bouche, lui, son nez. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, mais là, visiblement, c'est par rapport à des gens. Je veux dire, on est dans la Touma, là, mes amis. Hein. Ouais, c'est les récifs mortels, je veux dire, de la sirène et de la magicienne. Hein. Ouais. Bon, je sais pas. Il y a quelqu'un qui va être expulsé, visiblement, d'une entreprise. Ok. Donc, après, la bulle du Tao, là, on est plutôt à la campagne. Hein. Grâce à son union avec la présence. Il est à présent mâle et femelle dans la campagne, de même qu'il était mâle et femelle dans la ville. Le juste marche au devant de lui et trace la route devant ses pas. Il s'agit du Gaéden, du jardin d'Éden et de la Genèse. Donc là, visiblement, tu vas rencontrer, on peut dire, quelqu'un ou dire une femme ou un homme. Hein, voilà, ça va être la grosse résurrection. Beaucoup de fragilité, quelque chose d'impénétrable et de sacré. Une nouvelle vision, un conseil. Ouais. Quelqu'un qui va marcher au devant de toi. Hein. Ouais. Donc là, c'est soit. Enfin, voilà. Bon. Des gens, je veux dire. Bon, là, nous avons aussi le domestique et le serpent. Hein. Ouais. Bon, des gens, visiblement, qui sont. Voilà. Là, visiblement, la censure va être découverte. Hein, ou.
Ou pour d'autres, ce qui va être découvert, c'est une histoire de longévité modifiée. Moi, c'est ce que j'ai. Voilà, quelqu'un qui va sortir de la maladie définitivement. La porte de l'espérance, hein, le seuil de l'élargissement infini. Donc là, il y a une personne qui attend celui qui vient, attente chargée d'amour. On espère que ce que l'on aime, ses espoirs sont limités, hein, correspond, on peut dire, à un vouloir égoïste. Donc là, c'est pour ça, on peut dire que c'est bloqué sur le centre créateur, parce qu'il y a des gens, on peut dire, qui sont dans beaucoup, on peut dire, d'égoïsme. Ouais, mais bon, t'es quand même sur la porte, hein. Je veux dire, la porte de l'espérance, hein, par rapport, on peut dire, à la présence divine. Là, c'est un peu ça ce que j'ai. Ok, et après, j'ai la tente, hein, là, plus loin, tente, hein, et donc, c'est aussi, Satan, l'attente, hein, vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, il incombe de procurer, on peut dire, le plaisir à leur femme en l'honneur de l'union céleste. Tu sauras que l'attente vit dans la paix. Il s'agit de transformation par rapport à une maison ou par rapport à la famille, de célébration, de sexualité et d'union. Donc là, on est dans l'attente aussi par rapport aux eaux purificatrices. Hein, on est dans l'attente aussi, je veux dire, on attend que les dictateurs se calment. Hein, voilà. Hein, ouais. Ça dépend de ton attitude. Hein. Ouais, j'entends battre ton cœur qui font grincer les dents des dictateurs. Hein. Bon, avec une blue lady, hein, quelqu'un qui te met, on peut dire, dans les abysses de l'amour et des émotions. Ouais. Bon, l'attente. Hein. Ouais, on attend, hein, mes amis. Bon, alors je vais prendre mon tarot enfin. Allez. Hop. Et oui. Bon là, on est toujours avec des champs, je veux dire, c'est des représailles. Voilà, visiblement, pour d'autres, je sais pas, vous êtes. Comment je peux dire? C'est des gens qui, je sais pas, qui ont des combinaisons de plongée, ça. Alors, sur le monde jalouse, hein, bon, là, visiblement, il va falloir se dégager entièrement de toute rancœur. Donc là, nous allons avoir un 9 de denier. Hein, voilà. Donc là, on va avoir les fées dans la matière. Sur, on peut dire, les fils orange, les ongles orange, les vêtements orange et la boîte orange. Par rapport à un homo angelus, hein, un homo angelus qui te dit tu n'as pas le monopole de l'amour. Hein. Attendez, ça, je vais le mettre là, voilà. Des gens, je veux dire, qui produisent des petits gâteaux. Hein. Là, oui. Là. Ouais, des gens qui ne donnent rien. Hein. Enfin, je veux dire, ouais. Donc là, sur les représailles, on va avoir, on peut dire, des documents utiles qui vont arriver. Ouais, là, visiblement, on va mettre des lunettes, hein, visiblement, sur des documents utiles, sur le fil orange, les ongles orange, les vêtements orange ou la boîte orange. Hein, toi, tu vas chez Hermès. Hein. Ouais, ça va être utile aussi pour la fille brune, hein, au bonnet rouge, à cocarde tricolore. Hein. Donc là, nous avons un 4 de bâton inversé. Donc là, sur la sirène et la magicienne, je veux dire, les récifs mortels, tout s'écroule. Sur les bassins aussi, hein, les bassins avec les fils jaunes, la marque de 4-4 aussi. Des gens, on peut dire, qui ont, je veux dire, des masques. Hein. Alors toi, tu as des masques. Hein. Alors tu as une combinaison de plongée, tu as un masque, je veux dire. Sur les 400, sur les deux fruits, bon. Bon, ça va être très utile, hein, parce que derrière, on va avoir de la prospérité. Bon, c'est pas, voilà, on va se rendre compte, on peut dire qu'un homme, alors, je veux dire, a le génie de piller du monde. Hein. Bon, ben là, je veux dire, un homme de génie, bon, ben lui, je veux dire, il est dans la folie. Hein. Alors, pour d'autres, il y a des gens, je sais pas, vous avez une société électrique, je veux dire, les gens sont fous. Hein. Voilà. Voilà, on est dans dans les représailles par rapport à une société électrique aussi. Ouais. Bon, là, visiblement, pour d'autres, il y a une reliance, je veux dire, à Bina, je veux dire, voilà, cerveau-corps par rapport à nounours. Hein, je veux dire, un mec qui est un nounours, hein, enfin, je veux dire, ou t'es un ours, hein, je veux dire, le mec, je te dis pas,
il balance, il balance ton sa pogne, enfin je veux dire, ça t'arrache la tête, hein. Donc après nous avons un as de bâton bien droit. Voilà, donc on peut dire là ça brûle, hein. Alors, pour d'autres, je veux dire, c'est la chute des Butterfly Ribbon, hein, par rapport aux bulles du Tao, hein, là, visiblement. Ouais, c'est un truc impénétrable et sacré, hein. Voilà. Donc là, on ne va pas se laisser influencer, hein, visiblement. La chute, c'est aussi par rapport à un bon étranger. Et bon là je sais pas, il y a un bon étranger, c'est par rapport à des soupes. Allez, je reprends. Alors, donc là on avait un bon étranger qui bon là visiblement il y a une chute par rapport, on peut dire, à une histoire de caméra, de vidéo. Ok. Et c'est par rapport, on peut dire, à la bulle du Tao. Donc là, c'est par rapport, on peut dire, à des messages. Donc il y a quelqu'un qui prend conscience, on peut dire, de ces six corps au-dessus. Et là, vous allez être dans l'observation par rapport, on peut dire, à toujours la même soupe, on peut dire que l'on vous resserre. Ok, et visiblement, la soupe, ça vient des domestiques. Et je veux dire, il y a un serpent. Il y a un serpent dans un domestique, enfin je veux dire, il y a quelqu'un qui est un traître, et je veux dire, après nous allons aller, je veux dire, en prison. Ouais, par rapport, on peut dire, à un homme, on peut dire qu'il attendait, hein. Alors, il y a quelqu'un qui attend, je veux dire, alors soit si tu es en train d'attendre, je veux dire, que quelqu'un prenne une soupe, hein, visiblement une soupe fait maison, et je veux dire, tu vas pouvoir attendre, hein, ouais. Que là, on va avoir un 5 d'épée, je veux dire, inversé. Et c'est par rapport à une chambre ou c'est par rapport à une caméra. Et je veux dire, la personne qui attend, là, ça va être la grosse perte. Hein. La misère et la perte, moi, c'est ce que j'ai. Hein. Ouais. Et c'est par rapport, on peut dire, à quelqu'un, je veux dire, qui est dans l'ignorance, hein, visiblement, par rapport à un plan machiavélique. Voilà, et donc on peut dire que tu as un homme, un homo angelus qui est en train, on peut dire, de te prévenir. Voilà, par rapport, on peut dire, à quelqu'un qui a des fils orange, des ongles orange, des vêtements orange, une boîte orange. Ouais. Dieu aime ceux qui donnent tout. Et là, je veux dire, c'est par rapport à des gens, enfin, je veux dire, c'est que des gratteurs. Hein. Donc là, le plan militaire, hein, chers amis, hein. Bon, bah écoutez, je veux dire, c'est une marque de 4x4, hein. Il s'agit d'un truck ou d'un truc, ou je veux dire, de bassin, de fil jaune, de fil de traître, hein, voilà, et de tuyaux d'arrosage, hein. Je veux dire, on arrose du monde, voilà. C'est un petit peu ça, et là on va voir les effets, hein, visiblement, dans la matière. Ouais. Bon, là, visiblement, des gens qui ne sont pas dans l'intégrité. Hein. Ouais. Ok. Bon, là, on va aller vers une nouvelle base. Je l'ai en plein milieu par rapport à quelqu'un qui a un trait de personnalité ou un trait de génie. Donc là, nous avons un 10 d'épée. Hein, voilà, donc là, on est sur la traîtrise, hein, sur les pleurs. Alors, il y a des traîtres, je veux dire, ils vont être en pleurs, hein, par rapport à leur plan militaire. Là, je sais pas, il y a un nounours, je veux dire, il va arriver, je veux dire, à Noël, je veux dire. Alors, c'est par rapport à une femme, hein, là, visiblement, une femme que l'on met dans le chaos, je veux dire, une femme que l'on prend pour cible. Hein. Et bon là visiblement la chute c'est surtout par rapport, on peut dire, au diable. Là le diable chute beaucoup. Là c'est la grosse chute, on peut dire, avec Butterfly Ribbon. Ouais, et la soupe fait maison, là je veux dire, ça ne va pas. Hein. Ouais, là je sais pas, on voulait modifier, on peut dire, ta longévité. Hein.
Alors pour d'autres, il y a une histoire de société électrique. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui attendent que ça fasse boum. Hein. C'est ce qu'on peut dire aussi. Voilà. Bon, là, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Je veux dire, sur les dictateurs, hein, ça dépend de ton attitude. Ok. Et c'est impénétrable et sacré, hein, ce qui arrive. Hein. Tu saisis la vision, hein, visiblement. Sur les tubes. Hein, et sur la peinture, hein. Ouais, des gens, je veux dire, qui ont repeint, on peut dire, après l'accident. Donc là, le bon étranger, bon, vous avez une personne plus jeune que vous, hein, là, visiblement, pour vous, ça va être l'avenir. Hein. Pour d'autres, c'est vous allez vous déplacer à l'étranger, ça va être l'avenir. Vous allez quitter, on peut dire, les gens, je veux dire, autour de vous, hein, avec un 6 de coupe, on peut dire, inversé. Hein, par rapport à une chambre ou par rapport, on peut dire, à une caméra. Hein, pour d'autres, c'est par rapport à des vidéos ou par rapport à des photos. Ouais, le bon étranger, je veux dire, c'est un trait de personnalité ou un trait de génie. Hein. Donc là, on est sur un 9 de bâton inversé. Donc là, on essaye par tous les moyens, je veux dire, de tout bloquer, je veux dire, pour que personne n'aille en prison. Voilà, là, ça va être les chemins de traverse, l'avenir, hein, visiblement. Bon, là, visiblement, on se rend compte des trucs avec beaucoup de retard. Ok. Et je veux dire, et pour d'autres, vous vous rendez compte, je veux dire, qu'on vous a carrément, je veux dire, on vous a volé. Hein. Il y a quelqu'un chez, enfin, autour de vous, je veux dire, c'est un menteur. C'est un menteur, c'est un flipper. Hein. Enfin, je veux dire, donc là, il va falloir faire un deuil sur des entreprises. Ouais, ouais. Là, le deuil sur les entreprises à l'international, hein, mes amis. Hein. Ouais. Ouais, bon là ça va être peine à leur fin, je veux dire pour le mec qui attend, je veux dire que quelqu'un prenne une soupe, hein. Là je vous le dis carrément, hein. Ouais, voilà, ouais, ou je veux dire t'attendais derrière le coffre-fort, là t'auras rien, hein. Ouais, et les entreprises aussi, hein. Bon bah là ça va être, je veux dire ça va être fermé, hein. C'est par rapport à une femme blonde, hein. Ouais. Ouais, ouais, là c'est par rapport à une femme blonde, je veux dire sur la femme blonde, je veux dire il va falloir que tu fasses le deuil, hein. Je veux dire c'est peine à leur fin. Hein. Ouais, voilà, les feux sont au rouge, hein, visiblement sur la femme blonde. Hein. Ouais, la montagne, le ruisseau. Hein. Ouais, bon là je sais pas, il y a un mec qui attend, je veux dire derrière le cul d'une femme blonde, hein. Visiblement t'attends que la nana elle prenne sa soupe, je veux dire pour lui piquer son coffre-fort. Et moi ce que je peux te dire c'est que ça n'arrivera pas. Voilà, donc là nous avons, on peut dire, la tempérance inversée, hein. Là, visiblement, nous avons beaucoup de personnes, on peut dire, qui sont dans les ennuis, hein. Voilà, ou je veux dire, vous êtes, c'est la crise de nerfs, vous êtes incontrôlable, hein. Ouais, vous êtes incontrôlable, hein. Bon, après, ça va être le centre créateur, on peut dire, avec des gens, je veux dire, qui savent se tenir, hein, bien sûr, voilà. Voilà, il s'agit de connaissances concrètes et de nouveaux potentiels, hein, potentiels créateurs, hein, bien sûr. Hein. Donc voilà, alors je vais prendre, hop, et voilà. Alors, allez. Bon, alors là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a quelqu'un qui est génial, mais qui pille, hein, qui pille les autres, qui, voilà, qui a pillé un nounours, hein, enfin, je veux dire, Bill a pillé un nounours, hein, je veux dire, c'est quelqu'un qui a trouvé de multiples voies. Donc là, dans la situation par rapport à Nomo Angelus, le bras, on peut dire, puissant de Dieu, hein, je veux dire, tu es dans l'ignorance par rapport à un plan. Bon, là, les effets dans la matière, enfin, je sais pas, regarde bien Albator, les Shadok, je veux dire, et Goldorak, hein. Donc là, c'est plutôt par rapport à des enfants, hein, je pense. Hein, vous êtes dans l'ignorance, hein, visiblement, par rapport à des dessins animés. Ou t'es dans l'ignorance, on peut dire, par rapport à des gens, je veux dire, qui font des scénarios sur toi. Hein, ou des gens qui travaillent beaucoup, hein, les Shadok, hein, enfin, je veux dire, pas de cerveau, mais ils pédalent beaucoup. Alors, ensuite, le traître.
Alors attendez, le traître, c'est une femme avec avec les cheveux longs. Des gens qu'on a mis dans l'inaction. Alors pour d'autres, vous avez. Alors soit c'est une femme qui est une traître, hein, parce que je l'ai avec la fille brune. Hein. Soit on peut dire c'est une fille brune qui est une traître par rapport, on peut dire, à une femme qui a les cheveux longs. Ok, ou on met une femme dans l'inaction. Ok, ou c'est par rapport aussi. Attendez. Où on dit qu'une femme qui est une comète, on peut dire, est une traître. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Ensuite, nous avons l'as des as. Bon, là, visiblement, ça se casse la figure sur une course de voiture. Donc là, moi, ce que je comprends, c'est ces rebelotes. Hein. C'est des gens, je veux dire, c'est toujours des trucs de dualité. Des courses de bagnole entre deux mecs ou entre deux nanas. Voilà. Des gens qui ont des lunettes, des gens qui sont dans la représailles, on peut dire avec les 400, hein, où, je veux dire, c'est la guerre. Par rapport, on peut dire, à des courses de voitures, des collections de photos anciennes. Bon, là, on va être dans les pleurs. Alors, moi, j'en ai marre de ces énergies-là, hein, je veux dire. Ouais, bah oui, 10 d'épée, on est dans la trahison. Bon, là, on déménage. Hein, on va déménager, hein, voilà, c'est comme ça, hein, mes amis. Hein. Là, on a quelqu'un qui est dans la folie par rapport à une femme, hein, aussi. Voilà, une femme qu'on met dans le chaos. Donc là, nous allons avoir, on peut dire, un homme épinglé, tiré à quatre épingles. Hein, quelqu'un de riche, et c'est de la racaille. Hein, des gens qui menacent des femmes, hein, voilà, ou une femme. Quelqu'un qui veut modifier, on peut dire, la longévité, je veux dire, soit de la vie de quelqu'un d'autre, de sa propre vie, ou ça peut être de ton arbre généalogique. Hein. Un homme de génie qui pille les autres. Hein, voilà. Ouais, donc là, ça va être la grosse chute, hein, par rapport à quelqu'un, on peut dire, qui recherchait, on peut dire, voilà, un mari. Et surtout les hobbies, on peut dire, pour remplir sa vie. Donc là, nous avons toujours les tribulations d'un Chinois qui cherchait une nana, je veux dire, pour remplir sa vie, hein, et remplir son compte en banque aussi. Bon, là, c'est la chute. Bon, là, on a un bon étranger. Là, l'avenir, ça va être des villas, face et splendeur. Ouais, pour un bon étranger, ça va être la face et splendeur. Hein, là. Ouais. Par rapport, on peut dire, à des courriers. Hein. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui saisit un conseil. Bon, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Hein. Voilà. Donc là, la prison, ça va être pour les suckers, hein, Eurosucker, hein, plutôt des acteurs ou des actrices, hein, ouais, bon, des gens qui sont dans le succès et la réussite, hein, c'est pour ça que ça a mis beaucoup de retard, hein, ouais, là, bon, des gens, je veux dire, c'est des suceurs, hein, mes amis, hein. Bon, là, le retard aussi, bah, c'est parce qu'on est très, très inquiet, on peut dire, pour les enfants. Ou, je veux dire, on a tracé du monde, hein, dans votre famille, hein, on a tracé vos enfants, votre clan, voilà. Voilà. Bon, là, y a des gens qui ne s'inquiètent pas non plus pour une femme blonde. Bon, là, visiblement, on est allé au marché noir, hein, visiblement, pour faire ses courses. Ouais, par rapport, on peut dire, à une reine de coupe. Hein. Ouais, moi, je sais pas, on a raconté des choses qui étaient assez fausses. Hein. Ouais, bah là, visiblement, il va falloir faire le deuil. Hein. Le deuil sur un amour, hein, mes amis. Hein, surtout des gens qui sont hors de contrôle. Hein, je veux dire, ouais. Ouais, bon, écoute, je veux dire, alors, si tu es une femme blonde, je veux dire, on t'en a mis vraiment plein les bottes. Hein. T'as dit que t'étais une pute, que tu fréquentais des bars à putes. Enfin, je te dis pas ce qu'on a pu raconter sur toi, hein, dans des entreprises, hein, voilà, ou des gens qui travaillent, je veux dire, dans la même. Ouais, c'est ça. Ouais, là, visiblement, bon. Ouais, bon, là, je sais pas. Là, visiblement, il va falloir faire le deuil, on peut dire sûr, on peut dire les bandits qu'on t'a envoyés, hein, les 400, là, visiblement. Ouais, bon, bah, c'est toujours la même chose, hein, je veux dire, des gens qui ont commis une erreur fatale, hein, visiblement sur une Blue Lady, hein. Ouais, la Blue Lady, je veux dire, je veux dire, c'est la fille brune au bonnet rouge, hein, je veux dire, t'as commis une erreur fatale, hein. Ouais, bah, c'est pour ça que tu vas rester sur le paillasson, hein, ouais.
Bon, c'est un peu ça ce que j'ai. Bon, là, visiblement, je sais pas. Je sais pas, on a dit aussi qu'il fallait se méfier des blonds ou des blondes. Hein, je veux dire, on en a mis plein les bottes. Hein, je veux dire, aux blonds et aux blondes. Hein. Bon, là, visiblement, pour les blonds et pour les blondes, la découverte de l'année, ça va être un anneau. Hein, l'or et la lumière. Hein. Ouais, bon, là, on va être dans la tempérance, hein, entre les blonds et les blondes. Je ne peux rien dire d'autre, c'est mon tirage, hein, mes amis. Hein. Ouais. C'est un peu ça. Bon, là, je veux dire, bon, là, les 400, là, je veux dire, il va falloir qu'ils arrêtent. Hein, enfin, je veux dire, leur représailles. Hein, il y a des gens qui sont même pas capables, je veux dire, de montrer leur visage, hein, tellement ça pue. Et je veux dire, tellement ils ont rien à dire. Hein, ils ont peur. Hein. Ah ouais. Bon, en général, les gens qui ont peur, c'est les gens qui font leur petit coup dans le dos, hein, je veux dire, qui sont pas capables d'affronter les gens, hein, bien sûr. Donc là, visiblement, dans la situation, ça va être le dégel. Voilà, il va falloir se dégager entièrement de toute rancœur, hein, avec le dégel et le bras puissant de Dieu, hein, visiblement. Par rapport, on peut dire aussi, à un rééquilibrage karmique, hein, ou de la justice. Donc le dégel, c'est par rapport à un homme ange. Voilà. Voilà, visiblement, les acteurs et les actrices vont rester en arrière. Voilà, par rapport à des gens qui ont tout donné aussi, ou par rapport à des gens, je veux dire, qui étaient dans les représailles. Ouais, des gens qui se cachent, hein, tellement ils ont peur. Et donc là, nous avons sur, on peut dire, la sirène, la magicienne. Je veux dire, nous avons le chirurgien. Hein. Donc là, visiblement, nous allons couper, on peut dire, quelque chose, hein, grâce à Raziel, hein, visiblement, qui va expulser, on peut dire. Voilà, bon. Ouais. Hein, voilà, on va expulser, on peut dire, quelque chose de néfaste de sa conscience. Hein, une fille brune au bonnet rouge, tricolore et cocarde. Hein. Et pour d'autres, je veux dire, le chirurgien du divin va expulser un homme de génie qui pille les autres. Hein. Voilà. Bon. Donc là, après, nous avons aussi quelqu'un qui sort du martyre. Hein. Voilà, quelqu'un qui peut être en pleine résurrection. Hein, voilà. Ouais, quelqu'un qui sort des sombres mystères et du martyre, hein, visiblement, à la campagne. Quelqu'un qui est très fragilisé, hein, mais quelqu'un qui va recevoir en tout cas quelque chose d'impénétrable et de sacré. Un nounours, hein, mes amis. Hein. Ouais, alors pour d'autres, enfin, je veux dire, t'as intérêt à saisir la vision, hein, ouais. Par rapport à des tubes aussi, par rapport à de la peinture, par rapport à un contrat qui prend l'eau, hein, je veux dire, on t'a mis dans le sacrifice. Ouais. Des gens, on peut dire voilà, que l'on a enchaînés. Hein. Il ne faut pas que tu te laisses influencer par les gens qui t'entourent. Hein. C'est comme ça que tu vas sortir, on peut dire, du martyre, grâce à la bulle du Tao. Hein, voilà. Donc après, nous allons avoir la divine présence. Bon, le seuil de l'élargissement infini, ben, c'est un signe, hein, qui va arriver. Ouais. Ouais. Mais là, je veux dire, il n'arrive pas tout de suite parce que les gens sont encore trop égoïstes. Et donc le cœur, ça va être, on peut dire, la découverte de l'année. Hein. Tu vas découvrir quelqu'un. Enfin, je veux dire, ça va être ça. Ou tu vas rencontrer quelqu'un voilà, de nouveau, quelqu'un de différent. Moi, j'ai le bon étranger. Hein, ou sinon, c'est un projet, on peut dire, à l'étranger avec des entreprises. Ouais, un anneau, de l'or et la lumière. Hein. Bon, pour d'autres, je sais pas, vous allez quitter le clan des Siciliens. Et de la protection sur un crime. Hein, c'est peut-être pour ça qu'on flippe. Hein. Ouais. Ouais, et puis sinon c'est pareil, hein, je veux dire, il y a des contrats aussi, c'est par rapport à une réserve souterraine. Hein. Bon, je vous avais dit, là, il y a une femme, je veux dire, c'était la veuve en or dans mes derniers tirages. Je veux dire, tu vas devenir très riche, hein, je sais pas, il y a un truc sous un lac. Hein.
Y a une fuite, hein. Je sais pas, il y a un truc. Tu vas trouver des cailloux, hein, je veux dire. Ouais, je veux dire, ça va être pétrole au soleil pour toi. Hein. Ouais, c'est pour ça que là, je sais pas, il y a beaucoup de choses. Là, je sais pas, tout le monde se bat, hein. Moi, c'est ce que j'ai. Alors, pour d'autres, il y a des gens, je sais pas, vous faites des dessins animés Goldorak, hein. Ouais. Bon, hein. Allez. Hein. Bon, après, on va aller vers le cœur. Hein, on va faire la communication du cœur, hein, mes amis. Allez, je vais prendre mes trucs là. Hop. Parce que j'ai quand même Albator, les Shaddock, là. Hein. Alors, l'effet dans la matière, ça va être les Shaddock. Hein. Enfin, je sais pas. Les trucs en dessin animé. Hein. Ouais. Je sais pas, vous allez faire un dessin animé, ça va être marrant. Donc là, là visiblement, bon bah là on est avec des gens, je veux dire, c'est des petits. Enfin, je sais pas, ils ont 15 ans dans la tête, hein, c'est des Shaddock. Hein, tu fais l'autruche, hein. Ouais, bah tu fais l'autruche, un peu comme Stefan Zweig. Alors pour d'autres, vous avez des origines autrichiennes ou brésiliennes. Hein, ou, je veux dire, méfie-toi. Hein, là, ça va être le suicide, la fatigue. Ouais, par rapport, on peut dire, à de la délibération. Alors, tu délibères aussi par rapport à des conseillers et tu cherches ton souffle. Voilà, et donc là, tu es dans l'ignorance, on peut dire, par rapport à un plan. Hein, un plan, on peut dire, voilà, autour de toi. Et je sais pas, le plan, c'est un truc bizarre. Hein, quelqu'un qui arrive là, je veux dire, il a une place dans ton cœur et sur la terre. Enfin, c'est par rapport à un fantôme qui te parle. Alors, t'es dans l'ignorance par rapport, on peut dire, j'arrive pas très bien à comprendre. Par rapport à un plan militaire, enfin, c'est très mélangé, hein. Ouais. Dieu aime quand les gens donnent tout, hein. Bon, je sais pas, vous avez. Il y a un plan sur vous avec des acteurs. Ouais, des Shaddock. Hein. Donc là, il y a un dossier qui arrive où tu vas recevoir des documents. C'est les récifs mortels. Là, c'est la sirène et c'est la magicienne. Donc il faut pas trop y aller. C'est la fille brune au bonnet rouge, cocarde tricolore. Ouais, bon, bah là, attention à l'année de la mort du roi. Attention à ne pas perdre la tête. Hein. Ouais. Ouais, attention à l'arrogance et à la célébrité, hein, pour la fille avec je veux dire, le bonnet rouge cocarde tricolore. Hein. Ouais, les 400, les deux fruits, hein, parce que là, il va y avoir des grosses représailles. Hein. Ouais, par rapport à des gens qui mettent leurs lunettes. Hein. Ouais, pas des gens, c'est des hommes grenouilles. Hein. Sur une marque de 4x4, hein, aussi. Hein. Ouais. Alors pour d'autres, je veux dire, les représailles, c'est par rapport à la lingerie italienne. Hein. Là, ça a été la course de voiture. Et là, je veux dire, c'est le déménagement, c'est l'exode, les pleurs, le 10 d'épée. Ouais, les démons. Hein. Butterfly Vision, hein, tu as oublié quelque chose. Hein. Retourne le chercher. Voilà, si tu te retournes, je veux dire, tu vas tomber sur un Adam Black. Enfin, je veux dire, pour d'autres, ça va être la cour des miracles. Hein. Enfin, je veux dire, on va te régler ton compte. Hein. Ok, hein, par rapport aussi à une marque de 4x4. Hein. Ensuite, bon bah, on a essayé, on peut dire, de mettre l'impératrice Tsui, je veux dire, dans la folie. Hein. Voilà, la Tsui, elle n'a pas aimé, hein, du tout. Hein. Un homme tiré à quatre épingles, je veux dire, un riche, une racaille, des menaces. Hein. Ouais. Ouais, un mec qui était sous sa couverture. Hein, je veux dire, bah là, il y a. T'inquiète pas, il y a tout qui va sortir. On a voulu modifier la longévité de l'impératrice Tsui. Hein, ouais, par rapport à un homme de génie qui a voulu te piller. Hein, si t'es une femme. Hein, ouais, Bill Gates, hein, dire, le mec, je veux dire, lui, il a voulu te piller dans tous les sens. Hein, enfin, je veux dire, j'ai mis ça. Je veux dire, voilà, c'est un mec. Je veux dire. Il a des plans, on veut-tu, on voilà. Hein. Il modifie la longévité, hein, je veux dire, des gens. Et ça va être la nouvelle base, hein, visiblement. Bon. Ensuite, bah, la chute. Hein. La chute, ou quelqu'un qui dit chute. Hein. Chut, 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 chut. Voilà, c'est par rapport à quelque chose d'impénétrable et de sacré.
Donc là, on est plutôt, on peut dire, à la campagne, hein, je veux dire, avec un homme, je veux dire, qui est à la montagne, ou je veux dire, c'est le ruisseau, hein, je veux dire, quelqu'un qui pleure beaucoup, quelqu'un qui signe un. Ouais, qui saisit un conseil, hein, visiblement par rapport à une personne qui essaye de te, ouais, de te niquer, hein, voilà. Et pour d'autres, je sais pas, il n'y a plus d'électricité ou il y a un problème avec une société électrique. Ouais. Bon. Ouais, puis pour d'autres, je veux dire, il y a de la censure, hein. Je veux dire, il y a de la censure par rapport à quelqu'un qui est sous une couverture, hein, ou je veux dire, bon, un truc bizarre. Alors la chute, hein, la chute par rapport aux tribulations d'un Chinois, hein, quelqu'un qui regarde ton île, hein, c'est l'île où tout a commencé, hein, Ève, l'amour, la beauté, la Vénus de Cnide. Donc là visiblement sur, on peut dire, les tribulations, on peut dire d'un Chinois, ou je veux dire, voilà, je veux dire si c'est voilà, quelqu'un qui cherche, on peut dire, une femme ou un homme, je veux dire, surtout pour les hobbies, hein, voilà, là je veux dire ça va être la grosse chute, hein. Ouais. Donc là, tu vas saisir un conseil, une vision. Bon là, visiblement, ça brûle toujours avec J, hein, je le dis de nouveau. Hein, ça brûle sur l'île, hein, visiblement, je veux dire, avec un bon étranger. Hein. Ouais, bon, visiblement, on ne sait pas où l'on va. Hein, je veux dire, il y a des grosses pertes d'argent et on cherche quelqu'un. Hein, voilà. On cherche quelqu'un par rapport à pétrole au soleil. Hein. Ouais, bon bah là, si t'es un bon étranger, tu vas recevoir une grâce. Voilà, parce que tu as cherché profondément en toi, qui tu es vraiment. Tu ne ressembles à personne, hein, le montagne et le ruisseau, hein. Ouais, il y a ça aussi. Hein. Et c'est par rapport à une soupe, hein. Une soupe pour modifier, on peut dire, la longévité de quelqu'un d'autre, hein. Ouais. Ouais, bah t'étais entouré de suckers, hein. Bon ben là, visiblement, tu vas comprendre que tu étais entouré de suckers. Voilà, par rapport à une caméra ou par rapport à des vidéos, par rapport à des photos. Tu vois la lumière parce que tu as sacrifié ton ego, tes préjugés. Tu peux voir l'amour dans les yeux d'une autre personne. Bon, je sais pas, vous êtes inquiet. Hein. C'est un truc comme ça où vous êtes inquiet pour des tubes, hein, de la musique, ou vous êtes inquiet pour de la peinture. Hein. C'est un petit peu ça ce que j'ai. Quelqu'un qui va prendre conscience. Hein. Bon, guerre et bataille, je veux dire, sur les suckers, il n'y a pas de stabilité dans une relation. Et pour d'autres, bon, bah là, visiblement, tu vas, je sais pas, tu vas rentrer dans une boutique, hein, ou tu vas aller à un atelier de dégustation. Hein, je veux dire, pour une blonde ou pour un blond. Voilà, ou pour d'autres, vous allez faire un deuil, on peut dire, sur, je veux dire. Voilà, un atelier de dégustation ou une boutique. Hein, je veux dire, bon, pour d'autres, vous allez vous prendre un vent par rapport à ça. Et c'est aussi, là, on fait le deuil aussi. Hein, par rapport au boléro et aux bottes. Ouais, alors, pour d'autres, je sais pas, vous avez rapport au boléro et aux bottes. Et par rapport, c'est par rapport à une femme blonde, hein, notamment. Tu es aux commandes, n'oublie pas de dire merci. Hein. Il s'agit d'autorisation ou de planification. Alors toi, si tu es une femme blonde, tu vas rencontrer, on peut dire, un homme. Mais alors, je sais pas, ça va être compliqué quand même. Hein. Autorisation, planification, un époux, des honneurs, enfin bon, voilà. Puis je sais pas, il y a un truc aussi, je veux dire, avec des gens qui ont des combinaisons de plongée. Je ne comprends pas l'idée, mais des gens, je sais pas, c'est Neptune ou je veux dire, il y a sept mecs, je veux dire, qui veulent de la thune, je veux dire, pour que tu rencontres quelqu'un. C'est un truc un peu comme ça. Ouais, là, sinon, tu n'iras pas à la fête des voisins. Ou je veux dire, il y a quelqu'un qui veut venir, ou tu vas rencontrer quelqu'un à la fête des voisins. Enfin, je veux dire, si tu es une femme blonde, hein, moi, j'ai une femme blonde là. Ouais, des gens, je veux dire, méfiez-vous des blonds ou des blondes, hein, je veux dire, on se méfie des blonds ou on raconte des conneries sur des blonds ou des blondes. Ouais, par rapport à la caméra, je veux dire, bon, bah là, visiblement, je vais te dire, bon, là, sur des entreprises, sur, on peut dire, Pigalle et les bars à putes, hein, où, je veux dire, on a raconté qu'il y avait une blonde qui était une pute, je veux dire, ben là, ça va être le gros deuil. Hein, je veux dire, je te dis, à tes représailles, tu peux directement te les foutre à la poubelle. Hein, voilà, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Oui.
Ouais, ça va être la découverte de l'année, hein, la fille blonde. Hein. Ouais. Un anneau, de l'or et de la lumière. Ouais, par rapport à des gens, je veux dire, qui ont commis une erreur fatale. Hein. Ouais. Donc, bah, l'erreur fatale, hein, mes amis, c'est la liaison passagère. Hein. Ouais. Ouais, une mère célibe et, je veux dire, un homme marié, hein, enfin, je veux dire. Du plaisir, mais aucun sentiment, hein, visiblement. Donc voilà, c'était des petites surprises, voilà, des petits cadeaux. Et puis, je veux dire, il n'y avait rien derrière. Hein, et ça a été l'erreur fatale, hein, visiblement, pour un homme ou pour une femme. Voilà, donc là, on va être dans le dégel, hein, visiblement, par rapport au bras puissant de Dieu. Ouais, on va être dans le dégel aussi, je veux dire, par rapport à des gens, je veux dire, qui ont tourné, on peut dire, le cerveau de quelqu'un d'autre dans tous les sens, hein, avec le chirurgien, enfin, je veux dire, ça a été le mur de Berlin, mes amis. Ouais, des gens qui ont voulu te mettre sur les récifs mortels, des gens qui se sont, on peut dire, attaqués à ta conscience. Voilà, des gens qu'on a mis, on peut dire, dans la touma ou qu'on a mis dans le suicide. Hein. Donc là, nous avons une chose inexpliquée qui s'est produite ou qui va se produire. Voilà, puisque cette carte est inversée. Hein. Ouais, une chose inexpliquée. Hein. Je veux dire, alors, la chose inexpliquée qui va se produire, c'est que tu vas tomber amoureux. Hein. Alors, visiblement, ça va être le bindou. Hein. Hein. Une place sur la terre et dans mon cœur. Hein. Voilà. Bon, là, visiblement, bon, tu es dans l'ignorance, hein, visiblement. Et il y a un truc aussi inexpliqué qui va se passer, c'est sur un plan militaire. Hein. Hein, le truc, là, je veux dire, tu vas pas comprendre. Hein. Ouais, ça vient du bras puissant de Dieu, c'est comme ça. Hein. Ouais. Ensuite, hein, bon, là, tu vas avoir un rendez-vous, hein, chez Pouchkine. Avec un bon chocolat chaud, hein, et puis pour d'autres, vous avez une afro qui vous fait chaud au cœur. Hein. Voilà, l'année de la mort du roi. Hein. Bon, alors pour d'autres, je veux dire, on est dans l'arrogance. Je veux dire, il y a des gens, ils vont perdre du lourd. Hein, voilà. Ouais. Voilà, la fille brune au bonnet rouge, cocarde tricolore. Hein. Voilà, je sais pas, tu vas avoir un rendez-vous par rapport à des représailles. Hein, ou, je veux dire, on va te parler peut-être d'une fille brune cocarde tricolore. Hein. Alors, et d'une marque, on peut dire, de 4x4. Hein. Après, je ne connais pas les marques de 4x4. Je dois dire que ce genre de voiture ne m'intéresse pas du tout. Donc, après, nous avons sur la lingerie italienne, on peut dire que Isis ouvre ses ailes. Hein. Sur l'As des As aussi. Hein. Une course de voiture. Hein. Et puis pour d'autres, je veux dire, c'est. C'est le coquelicot, les chemins de traverse, hein, Butterfly Vision. Hein. Ouais, bon, bah, t'as pas intérêt à retourner chercher, on peut dire, ce que t'as oublié. Hein. Ouais, bon, alors, une femme te protège en ce moment, donc c'est peut-être aussi, je veux dire, un membre de ta famille. Hein. Voilà. Et là, nous avons, on peut dire, l'impératrice Tsui. Hein. Là, visiblement, on a voulu mettre Tsui dans la folie. Hein? Ouais, un homme épinglé, hein, je veux dire, un homme de génie qui a pillé du monde, hein, je veux dire, qui voulait modifier la longévité, on peut dire, de Tsui, hein, je veux dire, de notre impératrice, et ça ne va pas. Hein. Quelqu'un qui est dans la folie, hein, qui a foutu, on peut dire, une femme dans le chaos, ou je veux dire, qui l'a visée. Ouais, bon, là, c'était rivalité et partage, on peut dire, sur un héritage. Hein. Là, la grosse rivalité et partage, je veux dire, sur l'héritage, hein, je veux dire, de l'impératrice. Là, je veux dire, on s'était tripé, hein, ouais, sur la société électrique aussi. Hein. Ouais. Bon, pour d'autres, vous êtes une femme, vous avez un trait de génie ou un trait de personnalité, je veux dire, par rapport à un nounours. Hein, ou, je veux dire, ton mec est un gros ours. Hein, un ours mal léché. Hein. Bon, là, la chute, bah, c'est la chute, c'est avec l'île, hein. L'île nue, hein. Ouais, tu regardes ton île nue, hein. Ouais, les tribulations du chinois, là, ça n'a pas été, hein, avec la Vénus de Cnide. Donc, voilà, ces gens, jeunes, hein, qui étaient sacrés, placés en dehors de la communauté. Hein. Donc là, visiblement, il va y avoir un nouvel établissement. Voilà, une organisation guerrière.
Des rituels initiatiques et un serment de loyauté. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors, je sais pas, mais il y a aussi, je veux dire, faites attention aux gens qui vous servent, hein, des domestiques, parce que j'ai quand même le serpent. Alors, il y a quelqu'un autour de toi, je veux dire, c'est un domestique, c'est un serpent. Hein, et là, visiblement, on a censuré, on peut dire, des documents. Ouais. Alors, le bon étranger. Ouais, je sais pas, on vous a censuré un document, hein, mes amis. Hein, le bon étranger. Hein, un truc qui brûle, hein, visiblement, dans l'avenir. Par rapport, on peut dire, à des gens, je veux dire, on leur a fait bouffer de la soupe, hein, mais je veux dire, c'était pas très bon. Hein. Ouais, les feux sont au rouge, hein, visiblement. Sur un bon étranger, tu rencontres ta fiancée spirituelle dans un manuscrit ou dans une lettre. Ouais, les feux sont au rouge, hein. Elle te donne un coup de sabot, hein, qui lui ouvrit un passage pour fuir. Donc là, visiblement, le coup de sabot, je veux dire, pour faire fuir du monde ou pour libérer du monde, je veux dire, ça a été le bulletin qui a été censuré, hein, visiblement. Hein, voilà, on n'a pas voulu de voir ça. Ouais. Voilà, visiblement, un manuscrit ou une lettre, c'était une grâce. Hein. Bon, bah écoutez, tant pis, hein, on sera, je veux dire, dans l'avenir. Hein. Par rapport à la montagne et par rapport au ruisseau. Hein, ouais. Des gens qui comprennent rien, de toute manière. Je veux dire, savoir pourquoi. Comment je peux faire pour communiquer, comment je peux faire. Voilà, pour comprendre tout ça. Ouais, bah t'as intérêt à sacrifier ton ego et tes préjugés, hein, voilà. Bon, là, pour d'autres, je veux dire, des gens voilà, qui ont raconté, on peut dire, voilà, qui ont calomnié, on peut dire, des personnes autour d'eux. Hein. Bon, là, visiblement, sur la prison, les chemins de traverse, je veux dire, guerre et bataille, pas de stabilité, sur des suckers autour de vous. Hein. Bon, bah là, vous avez, on peut dire, voilà, un trait d'une grande clarté. Hein. Ton cœur dirige ta vie. Hein. Ah bah t'écoutes, t'as intérêt. Hein. T'as intérêt, parce que, enfin, je veux dire, je sais pas, il y a quelqu'un là qui remonte du purin. Hein, dire, on a tellement raconté de saloperies sur toi, je veux dire, je sais pas, tu devais être la reine des putes, ou je veux dire, tu passais ta vie dans les bars à putes, ou... Ouais, des gens, je veux dire, là, je veux dire, ils ont réécrit, je veux dire, le scénario de ta vie, hein, ouais. Et on t'a fait jouer dans un film, je veux dire, c'était le rôle principal, mais t'étais pas là. Hein. Ouais, des gens qui ont la langue bien pendue, hein, visiblement. Ben là, vous allez faire un deuil. Hein. Ouais, il y a des gens qui vont faire un deuil là-dessus, hein, sur leurs entreprises, on peut dire néfastes. Hein. Ouais. Par rapport à. Là, j'ai plutôt une femme blonde. Hein, où, je veux dire, c'est voilà, c'est plutôt une femme blonde, c'est plutôt des blonds, hein, bien sûr. Des hommes ou des jeunes hommes. Hein. Donc un homme essaie de te faire changer d'idée, hein. Une personne se retourne sur lui-même à l'égard de l'ex, hein. Bon bah là je veux dire tu peux toujours essayer de changer d'idée, enfin je veux dire tu peux surtout faire un deuil on peut dire sur ton ex, hein. Ouais, là visiblement par rapport à des entreprises, alors pour d'autres je sais pas vous voulez revoir votre ex et puis on essaye de vous tourner le cerveau dans tous les sens pour pas que vous la voyez, hein, hein. Ouais, parce que tu es entouré de suckers. Donc là, j'ai une femme blonde plutôt, tu es dans ta forteresse et tu vois une chose semblable. Il s'agit d'une ressemblance ou d'un simulacre ou d'une image ou d'un plan. Et donc voilà, et j'ai aussi le boléro et les bottes. Hein. Ouais. Alors, c'est un homme blond ou c'est une femme blonde, tu es aux commandes, n'oublie pas de dire merci, hein. Tu vas avoir des autorisations, une planification, un époux, de l'honneur. Et pour d'autres, vous allez rencontrer quelqu'un, je vous dis à la fête des voisins, ou je veux dire, tu vas faire de la plongée. Hein. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui se passe à Rome hein, aussi, toujours. Il y a quelqu'un qui se fait licencier à Rome. Hein. Moi, c'est ce que j'ai. Hein, voilà. Ouais, là, ça va être le gros chirurgien, là, avec, je veux dire, le miracle. Hein. Ouais, le pape de Rome a ordonné Raziel, avec lui il expulserait. Bon, bah là, je sais pas, on va expulser du monde, hein, parce que moi, je l'ai deux fois. Hein.
Consualia à Rome, hein, avec Neptune. Hein. Ouais, je veux dire, c'est pour des histoires d'argent, là. Hein. Ouais. Je sais pas. Il y a des gens, ils ont des problèmes avec leur baraputes, hein, aussi. Hein. Qu'est-ce que je veux dire? Et donc là, le cœur, là où la tente, hein, attendez, alors le cœur et la tente, hein, la découverte de l'année, l'anneau, l'or, la lumière, c'est un drapeau avec des bandes. Et le clan des Siciliens, on peut dire, c'est plutôt le drapeau avec des étoiles. Voilà, c'est ce que j'ai. Hein, voilà, ok. Voilà. Alors, je vais prendre les lettres hébraïques. Bon, il y a quelqu'un qui s'est planté, on peut dire, dans ses relations sentimentales. Hein. Je veux dire, toi, tu as enchaîné les liaisons passagères. Voilà, des gens, je veux dire, voilà, qui n'avaient aucun sentiment. Bon. Donc là, nous avons sur, on peut dire, le bras puissant de Dieu. Donc là, ce qui va se passer, c'est une chose inexpliquée, on peut dire, qui va se produire. Hein. Un fantôme te parle. Alors, c'est par rapport à des gens qui ont rapport, on peut dire, avec les lions, hein, blason, voilà. Ça peut être ça, une place sur la terre et dans mon cœur. Hein, visiblement, c'est ce qui va se passer, le souffle de Dieu. Et c'est par rapport à un homo angelus, en tout cas, qui te dit ça. Et je veux dire, l'homo angelus, lui, il a fait il a une promesse. Ok, il a fait une promesse quand il est mort. Hein, je veux dire, voilà. Et la promesse, je veux dire, c'est par rapport à des représailles aussi. Hein. Ouais. Donc là, visiblement, il va falloir, on peut dire, être dans l'accueil hein, par rapport à des documents qui arrivent. Ok. La force. La force, c'est une femme avec le cheveu très long et c'est une comète. L'année de la mort du roi, attention à ne pas perdre la tête, tu vas avoir un rendez-vous, on peut dire, avec Pouchkine. Voilà, ou je veux dire, tu vas avoir un rendez-vous avec, je veux dire, une poète. Hein, je veux dire, c'est ça. Ou je veux dire, une afro qui te fait chaud au cœur, ou un afro, hein, bien sûr. Bon, là, visiblement, il va falloir accueillir ce qui est par rapport aux représailles. Hein, je veux dire, casse inversée, je veux dire, c'est le souverain, c'est Dieu. Hein, donc, je l'ai deux fois. Donc là sur la lingerie italienne, sur la marque de 4x4, hein, bon, une femme te protège en ce moment. Bon, on te protège par rapport, on peut dire, à l'arcane sans nom, à la mort, je veux dire à la troisième voie. Ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est par rapport, on peut dire, à un truc qui s'effondre. Ouais, c'est une fille brune au bonnet rouge, hein, visiblement. Aussi. Et on veut modifier, on peut dire, la longévité de quelqu'un. Donc là, Zaïne inversée sur le nounours et sur l'homme de génie qui pille. Ouais, c'est par rapport à Tsui, hein, je veux dire, ou c'est par rapport à une femme qu'on essaye de mettre dans la folie, hein, ou qu'on a mis dans la folie dans un déplacement. Ouais, c'est ça. Un homme, je veux dire, épinglé, tiré à quatre épingles. Hein. Bon là, visiblement, dans un voyage, il y a des dossiers qui sont censurés. Ok. Par rapport à des domestiques, alors vous avez un domestique qui est un serpent. Hein, par rapport à une soupe, hein, alors vaut mieux pas la prendre la soupe. Hein. Donc là, nous avons une chute. Hein, donc une chute par rapport à ce qui est impénétrable et ce qui est sacré. Hein, donc il y a des gens, je veux dire, qui ne sont pas sacrés, qui sont en train de tomber. Donc là, nous avons Rhett, 8, il s'agit de justice, il s'agit d'une barrière. Et c'est par rapport à des gens qui vont sortir du martyre, hein, ou je veux dire qu'on est gens qu'on a martyrisés. Hein. Et c'est depuis, on peut dire, une île. Hein, pour d'autres, vous avez vu la Vénus de Cnide. Hein, bon, là, visiblement, on va mettre une grosse barrière hein, par rapport à un nounours aussi. Hein, impénétrable et sacré, hein, le ruisseau, la montagne. Hein, ouais. Ouais, barrière, hein, pour repriser aussi, par rapport, on peut dire, à des gens qui ont été placés en dehors de leur communauté. Hein. Ouais.
Et donc là, nous allons avoir, on peut dire, un nouveau projet, une nouvelle naissance par rapport à un bon étranger. Ça brûle, on peut dire, sur l'avenir, hein, puisque moi j'ai les feux sont au rouge. Ouais, pour l'instant c'est un peu bloqué. Hein. Bon, des gens qui reçoivent, on peut dire, une grâce. Ouais, et là visiblement tu vas quitter tes amis, hein, ou je veux dire tu vas quitter tes ex. Bon là ça va être villa, faste et splendeur, pétrole au soleil. Hein. Tu vas rencontrer ta fiancée spirituelle dans un manuscrit ou dans une lettre. Ouais, c'est par rapport à un palais, une résidence, une maison, un nid douillet. Hein, visiblement, ça va être super. Ouais. Mais là, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens, je sais pas, ils attendent quelqu'un. Hein. Et après, là, visiblement, la prison, les chemins de traverse, je veux dire, c'est des gens qui étaient dans l'imitation, coffre inversé. Ouais. Bon, des gens qui n'ont pas sacrifié leurs égaux, hein, les gens qui étaient des suckers, hein, mes amis. Hein, voilà. Donc là, on va avoir une grande clarté aussi sur un coffre-fort et des gens qui étaient des suckers. Des gens, c'est guerre et bataille, pas de stabilité. Hein, enfin, je veux dire, hein, voilà. Ouais, là, il y a des gens, je sais pas, ils ne sont pas inquiétés. Hein, ouais. Où on était très, très inquiets par rapport, on peut dire, à une alliance qui va arriver entre un homme et une femme. Hein. Ou par rapport, on peut dire, à des blonds. Hein. Je ne peux rien dire d'autre. Hein. Donc, vous êtes soit blond, soit blonde. Donc, voilà. Et c'est par rapport, alors, pour d'autres, l'alliance, là, parce que Kof, évidemment, c'est l'unité, c'est la lumière. Je veux dire, c'est par rapport au boléro et les bottes. Voilà, quelqu'un qui est dans une forteresse et qui voit, on peut dire, une chose semblable. Tu vois ton double lumineux. Alors le double lumineux, c'est une femme blonde, hein, ça peut être ça aussi. Là, je veux dire, alors le double lumineux, je veux dire, là, elle, je veux dire, elle en a dans les bottes. Hein, enfin, je veux dire, la boule noire, je veux dire, on a tout raconté sur cette femme, hein, visiblement. Tout sauf la vérité. Et là, je veux te dire, sur des entreprises, on peut dire des suckers, hein, des gens qui sont dans les représailles, ben, je veux dire, là, tu vas pouvoir faire le deuil, on peut dire, d'une situation. Ouais, le deuil d'une situation. Hein, et parce que là, nous avons Iode. Hein, là, nous avons Iode. Donc, nous avons, on peut dire, la lumière, on peut dire, du divin. Hein, tu vois, Iode. Hein, voilà. Après, ça peut être une équipe, ça peut être une communauté. La découverte de l'année, hein, avec Iode. Hein, voilà. Un anneau, l'or et la lumière. Hein, une personne d'une grande vigueur, d'une grande force et d'une grande puissance. Il s'agit de la main de Dieu. Il s'agit de pouvoir, de puissance et de domination évidemment divine, mes amis. Voilà, et ça va être la grande découverte, hein, visiblement pour, on peut dire, voilà, des gens qui sont plutôt dans le cœur, hein, et puis pour d'autres, hein, je veux dire, les gens qui sont plutôt dans les représailles, ou je veux dire, tu essaies de repriser, on peut dire, avec ton ex, hein, mais je veux dire, ça va pas marcher. Voilà, des gens, on peut dire, qui ont commis, on peut dire, l'erreur fatale, on peut dire, des liaisons passagères à répétition. Voilà, et donc on peut dire que là, enfin, il y a une grande découverte aussi par rapport à un drapeau avec des bandes. Hein. Je veux dire, par rapport à des gens, enfin, je sais pas, nous allons quitter, on peut dire, les dictateurs. Hein. Nous allons quitter, on peut dire, voilà. Voilà des gens, des gens, on peut dire, qui ne s'arrêtent jamais. Hein. Des gens qui vont droit dans un mur. Hein. Et je veux dire, ce sera pas. Ce sera pas les fentes de Feynman, là. Je veux dire, là, le truc, il va pas s'ouvrir. Hein. Je veux dire, tu vas t'écraser sur un mur. Donc là, effectivement, le mont Gélous, c'est maintenant. C'est dans 4 heures ou dans 4 jours. Il va se produire quelque chose d'inexpliqué, une fois de plus. Voilà. Grâce au bras puissant, on peut dire, de Dieu. Et là, tu vas te rendre compte que tu n'as pas le monopole de l'amour. Hein. La fille brune au bonnet rouge, tricolore et cocarde. Ensuite, donc là visiblement, on peut dire que là-dessus, ça va beaucoup, beaucoup papoter. Alors, ce qui va papoter aussi, c'est le rendez-vous, ouais, le rendez-vous ou les représailles. Ouais, les représailles sur la comète ou sur une fille, on peut dire qu'elle a les cheveux longs. Hein, voilà. Et là, je veux dire, on a une fille brune, hein, au bonnet rouge. Là, ça popote, hein, je veux dire, sur les 400 aussi. Hein.
Et pour d'autres, je sais pas, c'est par rapport aussi à la marque de truck. Hein. On a un mec là, il a un truck, son 4x4, enfin je veux dire, il est pas content. Hein. Je veux dire, t'as pas réussi à le refourguer, hein. C'est peut-être ça aussi. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre hein? Ouais. Bon, je sais pas, il y a toujours des tuyaux d'arrosage, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'eau dedans. Hein. Ouais, pour arroser du monde là. Bon, et puis pour d'autres, je veux dire, la tondeuse à gazon, elle va finir dans un puits. Hein. Donc là, effectivement, pour une femme, ça se casse la figure. Hein, voilà. Là, c'est même, hein, ça se casse complètement la figure sur la lingerie italienne, hein, visiblement. Hein. On a tout essayé, hein, mais bon, sur le butterfly aussi, sur les petits rubans roses. Ouais. Ouais, bon, pour qu'on on a plutôt quelqu'un, je veux dire, qui est un ours, hein, je veux dire, qui est en pleine reliance, hein, une intelligence cerveau-corps, hein, par rapport, on peut dire, à des gens qui pillent. Hein. Donc là, je veux dire, bon, là, avec une déclaration, bon, bah là, on a un homme épinglé à quatre épingles, hein, bon, ouais. Un riche, hein, une racaille, hein, visiblement des gens qui ont menacé, on peut dire, l'impératrice Otsui. Hein. Bon, là, on est en pleine rivalité et partage, et là, l'impératrice, elle ne se déplace plus, elle fait une déclaration. Là, je ne sais pas, on est écœuré hein, par rapport, on peut dire, à une femme qu'on met dans le chaos aussi. Hein, quelqu'un, on a essayé de modifier la longévité, visiblement, de Tsui. Hein, je ne sais pas, mais. Ou d'une femme. Hein. Ouais, attendez, j'ai un truc qui est tombé. Donc là-dessus, alors là-dessus, ça chauffe, hein, mes amis. Alors là-dessus, enfin, je veux dire, c'est rouge. Hein. Ouais, là, on discute. Hein. Ouais, là, on discute hein, sur la censure du bulletin. Hein. Ouais. Bon, là c'est la grosse chute, hein, visiblement. Ouais, je veux dire, on chuchote, hein. Ouais, bon là, on chuchote, on peut dire, sur quelqu'un, visiblement, ça a mal fini, hein. Ouais, on chuchote aussi sur les tribulations du chinois, hein. Ouais, bah là, tu vas saisir la vision, hein. Ouais, là, tu vas arrêter d'être dans l'observation, hein. Tu vas être, on peut dire, pénétré par le sacré. Hein, voilà, et tu vas comprendre que tes amis, ce sont voilà, plutôt des dictateurs ou des je sais pas, des ennemis. Ou... Mais il y a un truc, hein, ouais, je veux dire, voilà, je veux dire, on a voulu te pendre par les pieds, on a voulu te mettre dans le martyre. Hein. Le bon étranger, l'avenir, ben écoutez, ça va être un gros retour à zéro parce que quelqu'un a commis, on peut dire, une erreur fatale. Hein. Voilà, avec baisse, je veux dire, on va être de nouveau, on peut dire, voilà, dans la naissance, la renaissance, quelque chose de très bien qui va arriver. Tu reçois une grâce, tu vas rencontrer ta fiancée spirituelle dans un manuscrit ou dans une lettre. Des trucs qui ont rapport avec l'île de Quiche, villa et splendeur, pétrole au soleil, hein, ça va être l'avenir. Voilà, l'avenir sur le zéro, voilà, retour à zéro. Hein. Ok, hein, par rapport à des trucs, je veux dire, qui brûlent. Hein. Alors, retour à zéro, on va peut-être voilà, faire le retour aussi à zéro sur la soupe. Hein, voilà, parce que là, il y avait quelqu'un qui attendait en embuscade, je veux dire, que tu bouffes ta soupe, je veux dire, et que tu tombes raide, raide, raide mort, hein, puisque je l'ai, la mort, hein, impératrice. Hein. Donc là, on va voir clair, visiblement, par rapport à une caméra. Par rapport à un coffre-fort, par rapport, on peut dire, à des suckers autour de vous, bon, ça va être la prison ou les chemins de traverse, hein, visiblement, par rapport à des gens qui étaient dans l'imitation, hein. Des gens qui vont essayer de vous faire changer d'avis, hein, aussi. Voilà, mais bon, on peut dire que les choses vont être d'une grande clarté, hein, par rapport à des gens, hein, je veux dire, qui étaient en embuscade, qui attendaient. Ouais. Ouais, des gens, je veux dire, qui ne savent pas qui ils sont. Hein, je veux dire, ouais. Des gens qui essayent de te faire changer d'idée par rapport, on peut dire, à une ex. Hein. Mais toi, tu es dans ta forteresse. Hein. Et là, tu vas vouloir avancer, on peut dire, par rapport à un nouveau projet ou par rapport à une naissance. Voilà, c'est un petit peu ça ce que j'ai. Et après. Bon là après on va avoir une grande clarté hein, bien sûr hein, sur on peut dire la main de Dieu hein, voilà la main de Dieu le cœur
des gens qui ont commis une erreur fatale, et pour d'autres, ça va être la découverte de l'année. Là, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas avoir un anneau, ça va être de l'or, ça va être la lumière aussi, peut-être sur, on peut dire, voilà, un nouveau projet, on peut dire dans ta vie. C'est ce que je peux dire. Donc là, c'est dans 4 heures ou dans 4 jours. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. De toute façon, on peut dire, voilà, les représailles, là, des 400, j'aime dire, ils vont avoir du mal, hein. Ils vont avoir du mal, mes amis, contre Dieu, contre le divin, contre le bras puissant. On peut dire, voilà, de Bouddha, de Hachem, de Allah, ça va être très très compliqué. Voilà, bon bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à très bientôt. Au revoir.